Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission, Le Kiosque. Je voudrais tout d'abord remercier les téléspectateurs et téléspectatrices. Vous avez été nombreux à nous adresser vos remarques pertinentes et continuez à le faire, continuez à interviewer aussi les chroniqueurs que vous voyez dans leur magasin en train de faire des courses. Embêtez-les, ils aiment ça, même s'ils disent non, mais allez-y. Quant à Béatrice, elle adore ça. Mais en tout cas, merci pour vos retours. Ça nous permet de savoir que ce que nous disons vous permet de mieux comprendre la vie politique martiniquaise, internationale et nationale. Bonsoir, monsieur Paolo. Ça va bien? Bonsoir, Manu. Ça va? Je te trouve bien sage, Carl. Mais pourquoi il ne faut pas s'énerver? Moi, je suis retraité, je suis tranquille. Hein. Ah, calme. tu es tranquille, d'accord. Calme okay. Avant la tempête. Au contraire, j'aime beaucoup voir les gens qui s'agitent. Par exemple, mon voisin de droite. J'aime ça. Très bien. Ben, le voisin de droite, il s'agit de... Bonsoir. Bonjour, comment bonsoir, Manu. Oui, je vois que... Carl est très content de me voir. Ça va, on va plus souvent. Tu sais que... Tu connais le proverbe, Dieu me garde de mes amis, mes ennemis, je m'en charge. Donc... Alors, vaut mieux avoir un vrai ennemi faux amis. Voilà. En tout cas, bonjour tout le monde qui a goûté nous. C'est toujours un vrai plaisir. Hein, d'y venir à la Zouk TV. Je veux saluer toute l'équipe technique déjà. Ça, bon petit moment, bon petit respiration. Nous allons échanger tranquillement. Nous n'avons pas les mêmes opinions, mais c'est pour tout le monde, le maximum de monde, fait qu'il y ait une opinion, des sujets qui concernent nous tous. Donc, voilà, moi bien content. Et je veux dire, Zouk TV, continuez de travailler là. Merci beaucoup, Fred. Fred Landino. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet qui concerne tout le monde, mais vous aurez la lourde charge d'expliquer à tout le monde de quoi on parle. Parce que j'ai l'impression que beaucoup de personnes s'en moquent. Je mente ça quand je dis ça. Bonsoir, Monsieur Chaumet. Dani Chaumet, bonsoir. Ça va? Bonsoir, Mano. Bonsoir aux auditeurs et aux auditrices. Le Zouk. Bonsoir à l'équipe. Continue. Donc voilà... Eh bien, non, très content. Et puis, quand tu as dit Fred là, même si Carl a taquiné, c'est parce qu'en fait, toujours avant l'émission, toujours qu'il y a un pré-débat. Oui. Qu'il y a un pré-débat et toujours qu'il y a un post-débat. Donc, et c'est vraiment intéressant. Je remercie les invitations que tu renouvelles chaque fois. Et j'ai déjà, comme tu le dis, des retours, des remarques, hein, quand je fais mes courses, quand je vais au boulot. Oui. Des gens qui font des observations et par-delà les opinions, des points de vue de chacun, ce que les gens apprécient, c'est la diversité des points de vue et puis le respect des uns et des autres, même si nous ne sommes pas d'accord. C'est qu'on nous fait un petit débat l'autre jour, Batelier, on a la question de l'évolution institutionnelle. Tout le monde n'est pas d'accord, on dit dedans, mais il y a 300 personnes. Ils ont apprécié le fait que il y a Claude Dils qui était là, qui était adversaire politiquement à un moment donné. Il y a Philippe Jocques, il y a Justin Daniel qui était. Nous débattons, très simplement. D'accord. Et après 3 heures, personne n'a pas télépathie parce que le débat est intéressant, donc obligé de recommencer. Donc c'est très bien que nous prenions l'habitude, au travers de tous les espaces, de faire ce petit débat-là. Serge Chimi était là? Pas cette fois, mais je l'inviterai, pourquoi pas. D'accord, vous n'êtes plus ennemi. Mais ce n'est pas une question d'ennemi. Moi, je combats les idées, jamais les hommes. Hein. Donc je n'ai pas d'ennemi en politique. Je combats de manière très ferme parfois certaines idées. On avait parlé du Front National, on n'en est pas là. Mais je n'ai jamais combattu les hommes. Ça n'a jamais été mon credo. Merci beaucoup, Dani. À côté de toi, la charmante Noëlle. Elle ne veut pas que je dise ça. Bonsoir, Béatrice Bélé. Bonsoir, Manu. Comment ça va? Ça va. Je sais que ça finira par rentrer. Mais c'est une habitude, même avec c'est Charles. Mais je vous pardonne, parce que je vous aime même, beaucoup. Il y a quand même des tirs manopathes. Oui, voilà. Tu sais que quoi? Non, j'ai dit, je sais que ça rentre et que ça va finir par aboutir. C'est, d'accord. Voilà. Mais j'ai dit que je vous pardonne parce que je vous aime beaucoup. Voilà. Merci Béatrice. Tu as été au colloque de Dani, là, alors, à la Batelière? Non, je n'y ai pas été, mais avant tout, je dis bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs. Bonsoir oui. À toi, Mano. Bonsoir. Et comme l'a dit Fred, merci de nous donner cette opportunité, de donner à tout un chacun l'opportunité d'avoir quelque part des armes
d'être armé pour comprendre certaines questions que nous abordons. L'objectif, et je crois que tout le monde l'a compris, au regard justement de ces interpellations qu'on a dans les centres commerciaux notamment, mais dans la rue, au boulot, ce que l'on peut dire, c'est que ce qui intéresse les gens, c'est ces différents points de vue, ces angles de vue, et puis le fait qu'on leur donne des éléments pour comprendre. Ce n'est pas une émission de propagande politique. On donne nos points de vue, mais c'est vraiment une, finalement une émission très pédagogique. Donc je n'ai pas été, parce que j'avais promis à une amie, et cela je l'avais oublié, de l'emmener, enfin de l'accompagner à un spectacle de tango, qui était magnifique d'ailleurs à l'Atrium, vraiment un moment de grâce. J'ai raté, mais en même temps, Dani ne l'a pas dit, mais le colloque est visionnable sur YouTube, les réseaux. Sur la page Chelsea, voilà. Dynamique et solidaire. Mais Charlie était. Il rebondit pour faire sa pub. Et c'est la page consultable. Donc ils ont fait un truc de 3 heures passionnant. Voilà. Alors, je fais remarquer, mais je lui ai déjà dit, que des mecs, hein, mais c'est pas grave. Bon. La prochaine fois, il y aura que des femmes. Non, pas que. Mais la mixité, c'est pas mal. Alors, vous avez tous les deux parlé de boulot. Est-ce que je peux savoir quel est ton boulot? Est-ce qu'on peut dire ça aux téléspectateurs? Oui, je suis... Parce qu'en France, on a peur de dire combien on touche, qu'est-ce qu'on fait comme travail, est-ce qu'on est qu'un boiseur? Enfin, bon, les gens ont peur de parler d'eux. C'est pas ton cas, non, je moi, sais, bien non, sûr. Non, moi, en plus, c'est assez public, parce que je m'en cache pas. Je suis cadre des collectivités territoriales depuis plus de 25 ans. J'ai fait des ressources humaines, du droit, du transport. Aujourd'hui, je fais de la restauration scolaire, des équipements culturels et sportifs, un peu de mobilité, voilà. D'accord. C'est dans le sud. Dans le sud. D'accord. Voilà. Et toi, Dani, Donc moi, je suis enseignant, donc professeur certifié. J'ai été au lycée Chelcher, au lycée Bellevue. J'ai été aussi à l'université pour me battre pour la promotion de la culture scientifique. Un jour, on va parler de l'université, hein, et de ce qu'on a loupé des virages à l'époque. J'ai fait de la formation pour que des jeunes Martiniquais deviennent des enseignants, on va dire, avec un diplôme. Et aujourd'hui, je suis essentiellement concentré sur mes classes de seconde et de terminale. En mathématiques. En sciences physiques. Et voilà, je suis passionné par ce que je fais. Enfin, Fred, si je puis me permettre, vous n'avez pas parlé de boulot, vous deux, mais peut-être qu'on peut dire un mot. Non, pas de problème. Moi, c'est un artisan. Là, j'ai une entreprise de moins de 10 salariés dans le secteur de l'aménagement des équipements publics. Et donc, je ramène un combat, c'est petit. Souvent, je vais parler des artisans, commerçants, chauffeurs taxi, marins pêcheurs, des mondes qui, pour moi, étaient pournis davantage la parole, puisque les fonctionnaires, que nous attendons beaucoup dans les syndicats, tout partout, qui exprimaient un coyote, mais il n'y a pas ni un lobon qui a parlé pour la défense de la petite entreprise. Donc, moi, c'est un artisan qui a défendu résolument la petite entreprise. Très bien. Et tu fais partie des entreprises qui ont du mal à se faire payer? Oui, par la CTM, il faut que je dise ça, ou quoi, le sujet. La CTM, c'est un de ses clients entreprises, parce qu'on sait que pour vendre en collectivité, il faut répondre à un appel d'offres au marché public. Donc, tout ça que notre copine Laga vend, c'est parce qu'il répond à un marché public, qu'il y a un marché public là. Mais la CTM, parmi, alors qu'il est, les collectivités et puis les hôpitaux, qui ont un piston pour payer les entreprises, les pitiés en particulier. Mais la loi dit quoi? On doit être payé. La loi dit qu'il faut payer à 30 jours. 30 jours. Et que si vous ne pouvez pas payer à 30 jours, il faut payer des intérêts moratoires. Eh bien, il n'y a pas qu'à faire ça. Et surtout, ce que la CTM n'a pas qu'à faire, il n'y a pas qu'à payer les retenues de garantie aux entreprises. C'est-à-dire 5% qu'on a prélevé aux entreprises et qu'on peut oublier Bailly un an après. Eh bien, je vais lancer un appel, je fais dans France Antilles la semaine en décembre. Je vais virer, dit ça. Il faut que la CTM trouve le moyen de payer cette entreprise dans les délais, sinon, de bailler intérêt moratoire. Parce que BPI France, je vais citer, qui est une de ces banques-là qui a travaillé et petite entreprise, nous, eh bien, il a facturé nous 9% les taux d'intérêt. Bien. Mais ceci dit, pour être exact, ce n'est pas que la CTM qui ne paye pas dans les 30 jours. Mais écoute, nous rappelons le 3 de mai, officiellement c'est plus proche de 70 jours, Yogadou, pour les communes. Et de Martinique. Donc, il y a un vrai sujet là, et pour nous payer ça, peut-être parler un jour, faire une émission en laissant aller les délais de paiement. Très bien. Carla,
Je suis un peu gêné de te demander ton métier, parce que là, c'est depuis quelque temps tu es au ministère du temps libre depuis le 1er août, mon cher. Donc, je m'y sens très bien. Oui. Voilà, c'est un bon travail. J'ai travaillé 47 ans, c'est depuis bien. L'âge de 20 ans jusqu'à l'âge de 67 ans. Je pense que j'ai largement rempli mon contrat. Je ne suis pas inactif. Oui. Je suis là. Et j'ai un défaut. Avant d'ouvrir la bouche, je réfléchis et je me renseigne. Donc ça me demande quand même un certain travail. Donc, je prends le temps de le faire, parce que je le fais avec plaisir, parce que en général, je ne fais que ce qui m'intéresse. Quand ça ne m'intéresse pas, personne ne m'oblige à le faire. Bien. Tu es interpellé aussi dans les grands magasins? Oui, ça arrive. Généralement, les gens me disent que bon... j'aime ce que vous dites, ou je vous ai vu. Bon, on ne peut pas dire qu'il y a, il y a quelques personnes que je connais un peu mieux qui échangent, mais oui, j'ai des... Mais est-ce que vous avez l'impression, tous les quatre, que ce que les gens vous disent quand ils vous interpellent, est-ce que les gens vous posent des questions, des choses plus simples pour le pays? Ou alors, est-ce que nos téléspectateurs comprennent vraiment tout ce qu'on dit ici? Est-ce qu'il faut... faire monter le niveau, faut rendre le niveau peut-être plus acceptable pour tout le monde. Qu'est-ce qu'il faut faire? Non. D'abord, c'est un point de vue. Hein. On peut avoir notre manière de voir. En Martinique, il y a des mondes différents, cloisonnés, qui sont juxtaposés. Et ça ne s'interprète pas. Tous les Martiniquais, en tout cas la grande majorité, ont compris une chose. C'est que si vous arrivez, si vous avez des difficultés, c'est parce qu'ils auraient fait quelque chose pour ça. Il n'y a pas qu'à attendre les personnes pour que ça fasse ranger. Ça, tout le monde comprend ça. Ni sur la mairie, ni sur la CTM, ni pièce caltée pour des élus. Donc, pourquoi dit Fred pas attendre l'argent, en fait? Non, c'est pas ça. Je plaisante. Hein. Bon, mais quand on partit... Mais pourquoi pas, il qui parle du magasin pour la question. Il y a quand même été appelé le bolon, mais au marché. Partout, bien sûr. C'est-à-dire, c'est le bon. Et ça qui est bien, c'est que ni de mon capacité, il y a fait une réflexion. Ni de mon rajeunir dans les plages diamants. Il y a fait une petite réflexion. Ça a fait un rire. Ou bien, tu as un petit parole. Mais mon a montré qu'écouter, qu'il a réfléchi. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que mon oncle a montré qu'il a écouté et qu'il a réfléchi. Très bien. Puis moi, je pense surtout que ça, c'est mon oncle a apprécié, hein, c'est débat. Parce que mine de rien, quand on dit un bagage, enfin bon, nous ne pièce pas qu'à venir là, dès l'homme non poche nous, pour nous bavarder. On essaye d'argumenter les choses, de les chiffrer, de comprendre. Donc c'est aussi un travail qui sérieux qui permet de participer à la construction d'un point de vue. Donc, parfois, les gens n'ont pas le temps. Et avoir Fred qui défend une position, Carl une autre, Béatrice une troisième, moi une quatrième, ça peut être le biais pour certains. Mais tiens, j'avais pas vu les choses comme ça. Parce que souvent, on reste enfermé dans ses convictions pour ne pas dire ses certitudes. Et ce que je pense que les gens apprécient, c'est la tonalité du débat. Cette fraternité, cette sympathie. On a tous eu à un moment donné, peut-être moins Carl ces temps derniers, une activité politique intense. Certains y sont totalement engagés. Et finalement, ce n'est pas ce que l'on voit en premier, c'est l'intérêt de débattre de sujets. Ce ne sont pas nos drapeaux, ni nos partis. Non, ce sont nos idées sur sujets qu'on défend. Et ça, je pense que les gens l'apprécient. Et finalement, je pense qu'on est dans le vrai. Parce que Oupeka Fadi Mounan spécialise de toute bagaille. Béatrice, sur ça? Oui, alors, je suis là depuis un petit moment maintenant. Du coup, j'ai reçu beaucoup de réflexions positives et négatives. Il y a eu aussi des moments où on nous a dit qu'on a été trop long sur certains sujets, que, bon, on était un peu casse-pieds finalement. Parfois que l'ambiance était un peu trop tendue et que ça n'avait pas d'intérêt pour les gens. Parce que réellement, c'est une émission pédagogique. Il n'y en a pas beaucoup. Et il faut le dire, les agora où les gens ont la possibilité aussi d'exprimer leur propre opinion n'existent que très peu. Et c'est peut-être pour ça aussi que ça marche aussi bien quand il y a des sujets tels que là, Dany en parlait de ce colloque sur le statut de la Martinique. Mais c'est des moments qui sont trop rares
Et je l'ai dit, je l'ai répété, il y a un devoir des collectivités, singulièrement de la CTM, de mettre en place des outils démocratiques. Et je le répète, la démocratie a un prix. Il faut y mettre le prix. Et on va en effet aborder des thématiques. Si nous ne mettons pas le prix du dialogue, de la compréhension, de l'explication démocratique, nous allons nous planter. Tant dans la représentation électorale qui sera celle de la Martinique, que le sens des consultations, et notamment les consultations relatives, par exemple, au statut. Si on n'explique pas, si les gens n'ont pas la possibilité de donner leur avis, ça va être compliqué. Nous, c'est vrai que là, on représente un peu les gens dans les questions qu'ils se posent, et puis on apporte parfois des éclairages qui leur sont intéressants. Mais je pense que le niveau est bon, parce que les personnes qui m'interpellent sont de tout niveau. Voilà. C'est ça qui est important. Alors aujourd'hui, nous allons commencer par un sujet qui est quand même vaste, l'octroi de mer. Moi, je veux plutôt dire le serpent des mers, mais mer, M-A-I-R-E-S, parce que je crois que c'est l'octroi de mer. On veut supprimer l'octroi de mer, mais il semblerait que ce soit en grande partie ce que les maires ont pour équilibrer leur budget, me semble-t-il, mais vous êtes les spécialistes. On commence avec toi, Carl, si tu veux commencer le débat sur ça. L'octroi de mer, qu'est-ce que c'est déjà? Alors, l'octroi de mer, c'est, on fait comme si on a inventé ça en Martinique. Ça vient dans toutes les villes, presque dans toutes les villes de la planète. Les villes ont taxé les marchandises qui rentrent sur leur territoire. Aux portes, les villes avaient des portes et aux portes de la ville ont taxé. Donc, c'est un impôt municipal qui existait sous la monarchie, qui est arrivé ici et qui a connu une autre histoire, puisque ce ne sont pas les villes qui taxent. Mmh. C'est le conseil général qui répartit ensuite entre les communes. Bon, c'est une ressource des communes. Ça a toujours été ça. Alors, en Martinique, il a connu une histoire qui n'est pas linéaire, puisque continue. Tantôt il a concerné des marchandises importées, tantôt il a concerné des marchandises importées et des marchandises fabriquées localement. Ça a été comme ça, à plusieurs reprises. Donc, c'est ça l'octroi de mer, et aujourd'hui, c'est un impôt. C'est un impôt, c'est rien d'autre qu'un impôt. Mais il y a une particularité. Et c'est ce qui fait que les gens ont du mal à comprendre, c'est qu'il est invisible. On a inventé en Martinique un impôt, enfin pas qu'en Martinique d'ailleurs, un impôt invisible. Quand tu payes tes impôts sur le revenu, tu as un avis d'imposition. Tu payes ta taxe foncière, tu as un avis d'imposition. Tu payes la TVA, c'est marqué sur la facture. Là, tu ne vois rien, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Et quand tu ne sais pas, eh bien, tu ne peux pas réagir. Donc, c'est difficile à comprendre parce que ça ne se voit pas. Et quand même, cette opacité, cette invisibilité organisée depuis longtemps, et déjà, ça, c'est un problème. Okay. Parce que ça nous rapporte beaucoup d'argent, 350 millions par an, et que ça augmente très vite, 4,15% par an en moyenne sur les 8 dernières années. Il n'y a pas de salaire qui augmente comme ça, pas ni la retraite qui a augmenté comme ça, RSA pas qui a augmenté comme ça, indemnité chômage pas qui a augmenté comme ça. Donc c'est un paquet de l'argent. Mm-hmm. Et ça semble gêner l'Europe qui veut supprimer ça, c'est, je crois. C'est plus compliqué que ça. Mm-hmm. C'est plus compliqué que ça. Très bien. Oui, on va prendre une belle expression, c'est un point de mer. C'est-à-dire que, depuis qu'on parle, il est compliqué, vous savez, parce que c'est un sujet fiscalité. La fiscalité, c'est une des matières les plus difficiles. Tout le monde peut dire ça, bon, enfin, on est droit. C'est-à-dire que c'est vraiment faux. Également, dans l'eau concentration. Pas dire le monde, par exemple, qui est capable d'expliquer nous comment il y a la défiscalisation qui a marché matin. On y a deux ou trois spécialistes qui savent comment ça a fonctionné, mais pas bien ça. Mais moi, je salue avant tout M. Belmar, nouveau président du CESECEM, le Conseil économique, social, culturel, environnemental, parce que c'est en Martinique que nous avons, qui connaît, il est en fonction importante en PIA.
et le CGSM t'a fait un petit travail sur l'octroi de mer. Il remplaçait M. Justin Daniel aussi, qui c'est un grand universitaire Martinique, qu'il faut nous saluer, qui est l'université. Il a démissionné, comment ça se passe? Non, c'est un renouvellement. C'est un renouvellement. Tous les trois ans, mon frère, oui. 6 ans maintenant. Donc voilà. C'est le troisième pilier de la collectivité territoriale de Martinique. On est l'Assemblée de Martinique, le Conseil exécutif, et puis le CESM, c'est un bagaille qui cabat à vie. Alors, bref, juste un petit peu en tête, c'est ce qui va permettre. La CTM pas arrivé à voter budget, là, si maintenant, là, le 19, parce que il n'y a pas tenu à vie le CESM. Et si vous n'avez pas avis, vote là-bas, va là. Et ce qui fait moi encore plus surprenant, c'est qu'il était manqué deux rapports. C'est le président de l'Assemblée qui écrit ça dans une lettre qui est sur les réseaux. Il était manqué le rapport sur l'égalité homme-femme et puis le rapport sur le développement durable. C'est obligatoire. Donc, moi, je me pose comme en location, en les manières collectivités à fonctionner, mais ça, c'est les conseillers qui pourraient ça. Là, ni quand même un problème. Nous, en fin mars, je dis que votre budget en avril, mais d'après moi, il y a un bail à Rio. Je vais faire mes parenthèses. Donc, l'autre quoi de mer, il faut que ça lui aussi les grands anciens, Camille Dorcière, Philippe Saint-Cyr, il a toujours dit ça. Il en a Nicolas, parlé souvent et longtemps. Il dit ça aussi. Ernest Bonajou, oui. C'est ces boucles-là qui obtiennent en dérogation pour nous faire appliquer l'autre quoi de mer auprès de l'Union européenne. Et il y a dans l'article 349.3, peut-être nous connaissons pas lui, mais c'est un article fondamental pour nous. Et qui ça y a qu'à dire sur l'octroi de mer? Vous entendez ça? Ben là, qu'a fait que la vie chère. Ah, si produit à chez Martinique, c'est parce que, eh bien, l'octroi de mer. Bon, alors, c'est un des rapports les plus importants, moi-même, Zali, le plus intéressant, c'est que tout veille à l'Internet, hein, l'octroi de mer, c'est un rapport de la Cour des comptes, c'est un rapport qui, pour moi, d'excellente qualité, d'excellent travail. Le rapport là, Gadou, par exemple, ça a augmenté le prix de 4 à 10%. Si vous achetez en marchandise 10 euros, il y a aussi pas tenu octroi de mer, vous pouvez payer 9,60 euros ou bien 9 euros. Donc vous voyez que ce n'est pas tellement inflationniste que ça, puisque c'est en l'air les marchandises seulement. Et ça, c'est pour qu'on a dit, ben, ça a bat les entreprises martiniquaises qui ont produit l'argent, mais finalement, ça a plus développé l'industrie. Et bien, moi, je m'a dit, contrairement à ça, mon gars, affirmé que ça, c'est vrai, qu'il a joué au lit, mais qu'il ne faut pas nous dire, il est bon comme ça, que nous ne parlons pas, parce que si nous ne faisons pas rien, le gouvernement français et puis l'Europe, sauf ça, il y a qu'à faire, il y a qu'à dire, nous allons mettre un TVA régional, sauf tout le monde qui a payé TVA, mm-hmm. Et comme nous avons des taux de TVA réduits, qu'on a dit, au PO, on a facturé à 8,5%, 2,10%, 1,75% ou 1,05%, 4 taux, il faut multiplier pour mon taux au moins par 2 ou 2,5. Et puis l'argent que les collectivités martiniquaises ont décidé, c'est eux qui ont voté taux et bien c'est là, mais c'est lui qui est doux, ou c'est là, c'est à moi, mais c'est ça qui a beau à présent. Donc, les gens qui ont dit, ils sont comme ça, sans taxe coloniale, ils pas bon, c'est-à-dire sans vraiment aller dans le détail. Moi, je fais très attention parce que je mets en péril l'équilibre financier des collectivités, mais aussi je vais aller en faux problème, qui c'est le problème de la cherté des prix. Ce n'est pas l'octroi de mer qui a fait ces marchandises-là aussi chères, Martinique. Très bien. Daniel. Je reprends un peu le propos de Fred. Je vais le tempérer quand même. Pour deux raisons. Donc, déjà bien comprendre, et c'est vrai que des gens comme Camille Darcier, Von Lajoulu, on pourrait citer d'autres députés de La Réunion, Vergès, se sont beaucoup battus pour poser cet acte politique-là, qui est l'octroi de mer. Et il faut bien comprendre que c'est une taxe qui vient sur les produits importés. Et à partir de 1989, on donne à cette taxe-là deux fonctions. La fonction de fournir des recettes aux collectivités locales, communes et régions, mais aussi de développer l'entreprise et développer l'activité et l'emploi. D'accord ? Bon. L'une des critiques que l'on pourrait faire, la première, c'est de dire que sur le volume que tu as indiqué, à peu près 350 millions d'euros, à peine 5 millions d'euros sont affectés à de l'investissement. Mmh. 5 millions d'euros sur 350. D'accord ? Ce qui veut dire que, ou peine du mal à identifier, c'est ce rapport-là qu'a dit,
volonté politique là, parce qu'il faut bien comprendre que ce sont nos collectivités qui peuvent décider de l'affectation et des taux. D'accord ? Donc ça, c'est notre décision. Hein. C'est, quand je dis notre, c'est notre décision locale. On peut difficilement imaginer que l'octroi de mer remplisse ce double objectif, celui du développement, si on affecte si peu de moyens à l'investissement. Donc c'est l'une des critiques qui est faite dans le rapport pour dire qu'il n'y a pas de lisibilité. En tout cas, cet objectif-là, on ne comprend pas un certain nombre de choses. L'autre reproche qui est fait, parce que je dis qu'il faut quand même réfléchir à la façon de le réformer, c'est de dire la chose suivante. Nous voulons protéger la production locale. Très bien. Donc, on met des taxes sur des produits qui sont produits, enfin, qui sont fabriqués ou qui devraient être fabriqués en Martinique. Exemple, les pâtes, qui est un produit de première nécessité. Alors, Fred a parlé de la moyenne d'à peu près 4%. C'est 7% sur un portable, mais c'est 20% sur les pâtes. D'accord ? Donc, ça veut dire que les boucles, là, tu es pour acheter pâtes là 10 euros, hein, il faut qu'ils mettent 2 euros en plus. Donc, ce n'est plus négligeable. Donc, on se rend compte et on ne comprend pas pourquoi la collectivité, pourquoi les îles du Martiniquais maintiennent des taux d'octroi de mer aussi élevés sur des produits qui ne méritent pas ou qui n'ont pas besoin d'être protégés puisque nous n'avons pas qu'à produire. Et de ce point de vue, ça participe de manière supplémentaire à la cherté de la vie. Parce que la cherté de la vie, c'est le prix d'achat des matières qui peuvent augmenter, c'est le prix du fret. Alors, quand vous mettez de l'eau, quand vous mettez portable, c'est 4 000 euros au conteneur là, donc ça n'a pas la même incidence sur ce que tu revends au final, sur de l'huile ou de l'eau, mais c'est aussi l'octroi de mer. Et derrière viennent la marge et ensuite la TVA. Mmh. Donc l'idée c'est quoi, de mon point de vue? C'est qu'il faut aussi pouvoir avoir une vraie stratégie politique au travers de la fiscalité. Nous n'étions pas allé dire ça avant nous commencer l'émission, mais vrai pouvoir autonomiste là, c'est poser question fiscale là. Et derrière question fiscale là, ou qu'a fait le choix de soutenir directement un certain nombre de secteurs et de dire que sur d'autres produits, eh bien, on devrait avoir des taux d'octroi de mer qui soient plus lisibles. Moi, j'ai vu cette majorité promettre la révision de 1000 produits et abaisser les taux d'octroi de mer. Nous attendons. Donc, c'est aussi ça. Face à l'incurie de nos politiques, eh bien, à un moment donné, c'est l'État qui prend la main et qui dit, à présent, c'est comme ça nous réveille. Donc, moi, mon partisan dit en octroi de mer, peu importe configuration, oui, qui garantit aux communes des moyens pour y fonctionner, sans que y'a fait embauche clientéliste. Il faut qu'on ne parle pas de ça, mais ça prend un sujet politiquement, ça fait, on n'aime pas les dire ça. Deuxième bagaille là, il faut qu'il y ait protéger production locale là, mais il faut qu'on s'y garantit, parce que protéger, ce n'est pas aider l'émergence d'acteurs et d'entreprises, mais il faut qu'il y ait aussi aider entreprises locales martiniquaises là. Et ça, je pense qu'on peut s'asseoir entre Martiniquais, entre politiques, socioprofessionnels, consommateurs, pour identifier et valider un dispositif qui est complexe. Fred dit ça, c'est en matière qui est très complexe. Mais si nous pas fait ça, ben d'autres monde qui fait à la place. Non. Très bien. Béatrice. Alors, il faut, je crois qu'il faut rappeler l'objectif premier que l'on a attribué à l'octroi de mer, c'était en effet de protéger la production locale. La réalité, puisque nous sommes dans un contexte européen, c'est que nous n'avons pas le droit de mettre en place, dans le marché dit européen, des mesures protectionnistes. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il a été dit à plusieurs reprises dans des rapports de Chambre régionale des comptes, Cour régionale des comptes, en 72, en 93, en 2000, et là encore, attention, ces mesures sont exceptionnelles, on va devoir les supprimer, ça ne correspond pas au droit européen, vous n'avez pas le droit de faire du protectionnisme. Nous nous répondons quoi? Mais pas du tout, c'est pas du protectionnisme. C'est une mesure fiscale qui nous permet en effet de gérer la fiscalité, une fiscalité locale, et d'en faire à dessein ce que l'on veut dans les mairies et les collectivités qui l'aperçoivent. Ce que le Dany ne dit pas, malgré tout, et pourtant il a participé à la région, à ses délibérations, et Fred aussi, c'est qu'il est voté régulièrement des exonérations. C'est-à-dire que... C'est le flou, c'est le flou. Oui, c'est là qu'est le flou, peut-être. Aussi. Mais là où tu as, on parle de 20% sur les pâtes, au final, il arrive qu'il y ait une délibération qui, par un numéro de, comment on pourrait dire ça, d'identification douanière, dit le produit E2647, qui en fait s'appelle pâte, est exonéré de tant de taxes. Et au final, au lieu d'être à 20, à la fin, il est à 15 ou à 5. Sauf que, comme le disait Karl, moi, sur mon ticket de caisse,
Je ne vois pas à quel moment il est à 5, à 15, à 20. Je ne sais pas ce que, d'ailleurs, le supermarché a mis et a inscrit comme taux dans sa machine. C'est ça la problématique. Et comme toute fiscalité, et comme toute action publique, il y a une chose que nous ne savons pas faire, même si ça a la charge quand même des services douaniers notamment, c'est contrôler. Nous avons quand même un sérieux problème, un, avec l'évaluation de nos politiques publiques, parce que du coup, ça devient quand même un instrument de politique publique locale, et deux, avec le contrôle de la politique publique. Et puis, je dirais presque trois, puisque Dany a parlé du fait qu'il y ait 350 millions, on est d'ailleurs plus vers les 400 millions, hein, de ce qui se dit, on est quand même un peu plus vers les 400 millions de recettes sur l'octroi de mer, parce qu'on a eu une explosion de la consommation, puisqu'il y a une explosion des prix. Donc plus les prix sont élevés, plus la part de trade de mer est importante, et plus ça génère donc des sous. Il y a ce qu'on appelle quand même, dans les collectivités, l'unicité des recettes. En gros, ni un seul poche. Donc tout l'argent qui arrivait, qui allait dans un seul poche, et puis après on répartit. Donc quand la Chambre régionale des comptes dit qu'il n'y a que 5% de l'octroi de mer qui va sur l'investissement, je ne sais pas. Je ne sais pas sur quelle base, parce qu'une recette, c'est une recette. Ben oui. Oui, c'est l'unicité des recettes, sauf sur certaines politiques publiques, d'accord ? Où il y a des recettes affectées. Donc, je ne sais pas. Non, moi, je ne sais pas. Je le dis, je ne sais pas. Mais continuons. Pourquoi c'est important d'aller sur la question, par contre, de ce que l'on fait avec l'octroi de mer ? C'est que, globalement, la plupart des gens ne sont pas allergiques à l'idée de payer l'impôt. Par contre, ils veulent savoir ce qu'on fait avec. Et sur ça aussi, on manque de transparence sur l'efficacité des politiques publiques. Ce n'est pas dérangeant d'avoir parfois des collectivités où l'impôt municipal, dans la municipalité ou dans le traitement des eaux est cher, mais à condition d'avoir une qualité de service public. Or, la réalité, ça, Dany l'a dit. D'autres le disent, je ne suis pas la seule à le dire. On a quand même une sérieuse difficulté quant aujourd'hui à l'efficacité des politiques publiques, parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus d'inégalités, il y a de plus en plus de pauvreté, il y a de plus en plus de difficultés. On n'a pas des services publics qui fonctionnent fondamentalement bien. Juste avant cette émission, je parlais avec une enseignante qui me disait à quel point l'état des écoles, les écoles pour nos enfants, est vétuste. Il y a des endroits où il n'y a pas d'électricité dans les classes, où il n'y a pas de ventilateur. Et les Chamaïlala à 40 degrés. C'est qu'est-ce qu'on fait avec l'argent? Et ça, je crois qu'au-delà de la réforme, il faut qu'on se mette les uns en face des autres et qu'on puisse se dire les vérités. Est-ce qu'on est bon ou pas avec l'argent public? Ma réponse, malheureusement, n'est pas obligatoirement très avantageuse pour ceux qui sont au pouvoir. L'unicité, ça semble... Non, non, c'est-à-dire que si c'est cet investissement, c'est lié à la cession d'investissement. Oui, mais c'est pas ça. Donc ça peut, c'est traçable. En fait, c'est pas ça qui... En fait, c'est le FRDE. Enfin, Le FRDE, c'est encore autre chose. Non. Comme la FCFC. Écoutez, je vais prendre nos problèmes par un autre bout. Que nos téléspectateurs vont comprendre. Est-ce que quelqu'un peut me dire... Vous savez, c'est quoi un rétroviseur de voiture? Oui. Vous savez ce que c'est? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de facultatif? Thomas dit, ta voiture, est-ce que je peux venir et le casser, ton rétroviseur de voiture? Non, sinon tu passes par le contrôle technique. Donc c'est obligatoire. Est-ce que tu connais le taux d'octroi de mer sur les rétroviseurs de voiture? Est-ce que tu connais le taux de TVA sur tous les produits que tu achètes à la supermarché? Attends, écoutez-moi, Gadou, là. On écoute Karl. Bon, rétroviseur, c'est obligatoire. Si tu n'as pas, tu as un PV ou une contravention. Est-ce qu'on fabrique les rétroviseurs en Martinique? Non. À combien est-il imposé? À l'octroi de mer? Dis-nous. À 30%. 30% d'octroi de mer. Alors, je ne dis pas de bêtises. Les rétroviseurs, 30%. C'est des incohérences. Les bijoux, les pierres de bijouterie, des saphirs, des rubis, des diamants, c'est 27%. C'est pas moi qui a dit ça, non? Moi, j'ai pris le tarif. J'ai été sur le site de la CTM, j'ai téléchargé les 834 pages du tarif. Ça fait 9856 codes. M'en gardez-yo, tout. M'en prends une journée pour faire ça. Du matin au soir. Je dis quand même, il y a un bail qui passe. M'en capote les lunettes, tout le monde batidique.
un jour ou l'autre pour mettre en ligne dans les îles. Même là où j'aime, quel délai ou les problèmes pour garder, et là où on y a un tillage, comme un camarade moyen, par exemple, mais moi-même, ni la presse ici ou quoi, obligé de porter lunettes. Donc ce n'est pas un bagage qui est facultatif. Si vous parlez de porter lunettes, ce n'est pas un passage, moi, pas quand on a 120 bouteilles et puis on va mettre à la place. Nous d'accord. Bon. Combien en toit de mer a sous les verres optiques? Combien? 25%. C'est-à-dire la même chose que les pierres de bijouterie. Il y a des choses, quand on regarde ça, honnêtement, je ne vais pas parler des 9856 parce que dans 3 semaines, nous l'avons toujours. Honnêtement, il y a un problème. Mais il y a un problème avec TVA. Il y a 4 taux de TVA. 20%, non, mais, il y en a des milliers d'articles en France. Il y a 14 taux en toit de mer. Mais il y a 4 taux de TVA. Il y a 14 taux. Oui. 14. Et il y a un qui est différent à un demi-point. Oui. 4,5, 5 qui dit quel intérêt. Bon. D'accord, nous d'accord. Refaire. Nous d'accord. La fois que nous on doit refaire. Oui, il y a une simplification à faire. Attends, sur les taux, c'est évident. Le problème là qu'il y a, c'est que très honnêtement, et le manque a dit ça. Je ne suis pas content de dire ça. C'est-à-dire, moi, c'est préféré pas ni à dire ça. Parce que je travaille la région dans le temps, ni 30 ans. Et je n'ai pas été ni travailler pour ça. Je suis croyé que c'était allé en l'autre manière. Nous n'avons pas fait ça, nous pouvons. Il y a une forme de paresse. Malgré le fait que nous n'ayons de très bons techniciens, c'est pas comment saluer. Parce que nous n'ayons de très bons techniciens à la CTM et à la région Martinique. Il y a 3 monde qui ont occupé dit ça. Ce n'est pas suffisant. Ah, voilà. Ah, bon. Voilà. C'est déjà pas suffisant. Mais de toute façon, mais c'est lui-là, ce n'est pas toujours faute. Par exemple, chaque année, la CTM, ou la région à l'époque, mais la CTM, pour faire un rapport, voter en Assemblée plénière pour dire bon. Mi c'est sa nouveauté l'année passée, mi résultat. Pièce délibération. Il n'y a pas jamais parlé de ça. Un élu peut n'y rapport là. Monsieur était gangret, grand président de la commission des finances. Il n'y a pas de dire. Pas si président de la commission des finances. Mais si c'est un conseil territorial de base, lambda, on va dire, comprenant, le tout venant. Pour un pionaliste. Ok. Donc, où élu? Où élu quand même? Eh bien, pas ni discussion, on laisse ça. Là, il y a qu'à voter, toi. À quel moment il y a une justification, nous avons mis tel taux là, tel autre taux là, nous avons exonéré ta là, nous avons majoré ta là, à quel moment ça apparaît? Bon, là, nous faisons une exonération. Nous faisons une exonération. Nous disons, voilà, nous avons exonéré une entreprise qui a fait 18 matériques. Nous avons pris une yon qui existait. Je ne parle pas de qui est. Au Robert. Au Robert en plus. Bon, caille-moi. Bon, caille-moi. Mais ça, t'es le dit. Non. Il a attrapé 10 points. Il a attrapé 10 points. Moi, je connais tout. Qui t'a parlé pour ça, il a fait 10. Mais. Non, mais faut donner ça. C'est Socari, c'est ça? Oui, exactement. Exactement. Non, pas ni 10 Martinique. Personne. C'est pas ni plantation. C'est pas ni Socari, pas ni. Il y en a, il y en a. Donc, il n'y a qu'à importer un riz. En fait, il le met en sachet. Ricargo. Ouais. Ricargo. D'accord. C'est un riz brut. Il faut décortiquer, polir, il ouais. Y a des opérations, et pourquoi mettre un sachet? Ah ouais. Ok. Le marché, ils ont 15% du marché local. 15%. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a une action particulière? Par exemple, en veillant à ce que dans les cantines scolaires qui sont financées par la CTM, on achète le riz produit localement. Pour que l'entreprise augmente sa part de marché. Parce que à quel moment va-t-elle embaucher? Elle va embaucher davantage si elle augmente sa production. Ça ne va pas se faire, ce n'est pas la génuflexion pour faire pour augmenter la production. Je vais prendre un autre exemple. Pas pour toi, par exemple. Oui, après, ouais. Nous avons fait confiti. Royal. Mais qu'est-ce qu'on fait en matière de développement d'arboriculture fruitière? Ça sent notre baguette. Bon. C'est pas notre baguette, ça parce que baguette. Moi, c'est préféré de faire confiture via et puis produits locaux. Okay, plutôt que d'importer des produits de l'extérieur. Oui, attends. Avant que je n'oublie,
Donc, si j'ai bien compris, l'octroi de mer, c'est pour protéger les choses. Non, c'est moi sous des communes. D'abord, c'est moi sous des communes. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de ça. C'est pour protéger, pour protéger à l'origine. En taxe défensive. Défensive. Ouais. Donc, ça veut dire que ce qu'on importe à la Martinique. Enfin, je prends un exemple. On a parlé de Sokari, mais moi, je vais vous parler de l'eau. Tout le monde a boit de l'eau Martinique. L'eau importée est moins chère que l'eau produite sur place. Comment on peut expliquer ça? Alors, c'est très simple à comprendre. C'est très simple à comprendre. D'accord. Alors, mais vous allez nous expliquer. Alors, je laisse les autres. Je vais répondre à ta question et je vais répondre un petit peu à Karl pour éclairer la diversité des points de vue. Oui, il y a un problème de transparence sur la façon dont sont définis les taux, etc. C'est un vrai problème. Et ça rend finalement le dispositif parfois peu lisible. Misara Bougakadou, taxe aux caractéristiques ambiguës et aux objectifs ambivalents. L'octroi de mer apporte des recettes très significatives aux collectivités locales, mais est marqué par sa complexité pour voir certaines incohérences ainsi que par des éléments d'instabilité et d'opacité. Ça, c'est le rapport de la Cour des comptes. Donc, c'est beaucoup qui savent. Donc, la Bougakadou, ben, là, opaque. Ben, hein, donc, c'est que même si c'est des spécialistes, il y a du bah la matière d'éléments d'incohérence dont Karl a évoqué, mais c'est pas parce que on y a incohérence faut qu'on jette tout dispositif là. Et c'est ça, c'est là ma carrière jeune Fred, faut pas nous faire AO en l'octroi de mer pour dire c'est lui qui a fait prix augmenter, ni des incohérences, moi tu es le premier à reconnaître. Est-ce que finalement on ne devrait pas réfléchir à des dispositifs beaucoup plus ciblés qui permettraient à des entreprises, parce que cela est le cas, de venir compenser les surcoûts de la production locale. Parce que quand on les court par les, il faut que vous fassiez marchandises là, vini, il faut qu'ils stockent, il faut qu'ils fassent logistique, faut, etc., etc. Donc au final, produire en Martinique, et nous devons l'encourager, moi sans autonomisme, on ne peut pas contre la production locale. Donc faut que nous, peut-être, nous ayons une stratégie différenciée, parce que faut aider, ben là, faut que nous défendions, mais la perversité, et j'en reviens à ton truc sur l'eau, c'est qu'en voulant aider la production locale, sans doute des élus ou une classe dirigeante un peu fainéante, a fait l'économie de se poser la question, est-ce que finalement on ne se sert pas de l'octroi de mer uniquement pour faire des recettes pour la collectivité? Et c'est là, et c'est cette façon de faire qui met en danger finalement un principe qui est pour moi vertueux, tu vois, Manu. Et comme il le dit, le riz, peut-être que pour 20 salariés, si monter des socaris, fait bien, il y a 15, très bien. 15. Faut noter qu'il y a des tas qui ont fait pot de bébé, yaourt, etc., etc. Une aide directe aux entreprises pour stimuler ça et rendre la démarche dynamique, puisque au cas où il y a de la rodia, mais demain matin, il faut qu'il fasse gain de productivité. Peut-être qu'il fait plus marge, bon, il faut dire que marge là, il répercute les prix. Parce que le problème qui vient venir, c'est que nous n'y débouquons qu'à produire de l'eau, par exemple, ou qu'à produire d'autres bagailles. Produire importé, l'eau qui remplit un conteneur, c'est à peu près 4000 euros pour un conteneur là, ben moi. Bon, soit on remplit de l'eau, ça veut dire que prix de l'eau qui a monté très bien, ou qui a mis en octroi de mer, mais ces acteurs locaux, ils ont bénéficié des subventions, ils ont bénéficié d'aides européennes, etc. Donc, ils ont monté en gamme. Et bien, ça, ils ont fait généralement, ils ont aligné Koyo, en laissé les produits à qui a fini. Ce qui peut veut dire, ce qui peut venir en effet, on va dire, un peu pervers, parce que ces acteurs de l'eau ou d'autres peuvent générer de ce qu'on appelle de la rente, c'est-à-dire qu'ils ont finalement servi octroi de mer là, qui a venu taxer en produit importé pour mettre Koyo juste contre un niveau, alors que tout ne justifie pas ça. Donc c'est pas parce que certains qui ont bénéficié dit effet levier là que faut brûler le système là, faut que nous n'y instruments pour vérifier performance là, et là moi d'accord puis propos général là, pas ni visibilité. Impossible de trapper information, ou pas savoir pour qui ça a mettre tel taux, pour qui ça a ni telle exonération, pour qui ça a pas ni exonération, etc. Donc faut que nous clarifier ça. Et puis, il faut que nous ayons une vraie stratégie qui permet de nous faire des choix dans le territoire. Là. OK. Vas-y. Oui, et maman, là, ben là, très clairement expliqué dans les plénières, chaque année, vous tantôt, on y a un rapport, et on y a un rapport annuel, chaque année, il y aura voté la CTM et puis la région. Donc, pas venir dire qu'on ça. L'AMIC qui a écrit ça, là, parce qu'on va là très bon. Mais il y a une logique quand même derrière la Cour des comptes. Il y a une logique, c'est que. En quelque part, il a tiré pour voir là, non. Et c'est parce que nous, pas qu'à servir convenablement. Je dis ce temps, tout le monde a fait course au supermarché ou bien hypermarché. Nous n'y a un smartphone. Moi-même, je fais course à Danyon, question là, ou bien question à Gadou, est-ce qu'on l'a tiqué, est-ce qu'on parle de tiqué? Je dis non, développement durable, on y a application, hein,
on va pas faire publicité bah alors là mais ça peut trouver ni plusieurs affaires et chaque fois acheter un bah il cavoue ticket à bord et avant me pas te garder mon cavoue pas te garder ticket qu'est-ce que tu te bail là mais depuis qu'on y a cavoue il ban moins en laisse smartphone non le téléphone non m'a garder dernière fois m'a aller dans magasin là m'a acheté pour 134,59 € de course et il dit moi ou acheter 20 produits 20 articles il dit moi tenir tant d'articles à 2,10 € de TVA, 3 à 8,50 €, ça veut dire que les autres n'ont pas tenu. Et il dit moi, vous payez un total de 6,34 € en l'air, 134 €. Mais vous pouvez faire même bail là pour l'octroi de mer. Mais il n'y a pas parlé de l'octroi de mer. Mais non, justement, donc, Léoga dit moi ça. C'est un logiciel plus compliqué parce que, comme il y a plusieurs tours, et c'est là qu'il faut nous arriver, simplifier le toit. Donc, il était bon, factique, à faire des kilomètres, puisqu'il y a bon l'auto différent à chaque produit. Mais sur le smartphone, non, on peut bon moyen, puisque c'est l'image qu'il a fait défiler. On peut dire moins en laissant 130 € cous, combien l'argent octroi de mer nous payer. Et Thibaut Martinique était que, ouais, que finalement, ce n'est pas octroi de mer là qui a fait le produit augmenter. Okay. Et je vais finir en bagage. Madame Bello, je vais citer, qui est présidente de la région Réunion, il a dit en bagage dans le rapport là. Il a dit où? Alors, c'est la Cour des comptes. La présidente du Conseil régional de la Réunion a trouvé remarquable qu'aucune monographie réalisable par l'inspection générale des finances, l'autorité de la concurrence, les directions locales de la concurrence, etc., n'ait été réalisée sur la formation des prix en identifiant la chaîne de leur formation, étude qui aurait pu être utile au regard du problème du coût de la vie. Donc, il y a d'où. Sous les faits en étude réellement, pour savoir combien l'argent chaque monde a gagné, chaque commerçant a gagné, les cas vendent nos produits ou peut faillir. Question c'est que. Et sous les faits. C'est qu'on va critiquer l'octroi de mer, mais on ne va jamais faire une étude là sur les marges. Et la grande distribution, grâce à le feu, camarade moi, Alex Alivon, qui était qu'à travailler de Canada dans l'eau réunion, l'intégral dit Alex, fais attention, pas répéter chaque l'air, c'est l'octroi de mer qui a augmenté les prix. Parce que je vois ou quand il y a une administration qui est entrée dans la grande distribution pour dire comment il y a qui a appliqué le droit de mer, comment il y a fonctionné, mettez tous ces chiffres-là dehors et puis surtout, rapport-là, regardez où ça. Lorsqu'on de l'administration papier, il bâtit dans le rapport-là. Il a opposé le secret fiscal. Secret commercial. Il a dit, ah bon, mais alors. Mais moi, je dit aussi, et puis d'autres camarades, mais l'État a prélevé en les toutes les dômes 25 millions d'euros. On a l'argent octroi de mer là. Mais qui s'est gaffé? Qui s'est gaffé proposer? C'est ça, moi, dis c'est pour nous, Martiniquais, nous ne pouvons pas demander la douane. Dis-moi exactement combien de monde vous mettez en travail dans les dossiers. Qui s'est gaffé pour l'eau, l'argent qu'on a touché? Eh bien, rapport là, il a dit la douane. Eh bien, il a dit arrêtez de faire la fête et puis ces collectivités. Bayou information. Bien, avant de passer la parole, juste une seconde. Que je comprenne bien, excusez-moi, je suppose si. D'accord? Qui décide de tout ça, cette histoire d'octroi de mer? Parce que je vous entends dire, pertinence, il faut. Enfin, il y a un certain travail à faire. Qui peut décider ça? Est-ce que c'est la France? Trois niveaux. Est-ce que c'est. Je ne sais pas, moi. D'où ça vient? Ce sont des politiques qui ont été élus par des Martiniquais qui sont au contrôle. En fait, ce que vous dites là ne me semble pas très compliqué. Mais enfin, j'ai empêché à Bébé de parler. Donc, juste, évidemment, il y a trois niveaux. Il y a l'État, il y a les collectivités, et il y a l'Europe. Bon. Les trois, d'accord. Les trois fixent des taux. OK ? Ce qui est sûr et certain, ça, il faut, je pense non, que de non, façon... L'Europe, la règle... Pardon. Et puis, c'est nous qui avons fixé les taux. Mais le cadre, c'est l'Europe, la France, les règles, et nous, les taux. Les taux. D'accord. Sur la réalité, ce sur quoi nous sommes peut-être unanimement d'accord, et tout le monde le dit, il faut une réforme de l'octroi de mer. Oui. Bon. Et Fred a levé le lièvre, qui a déjà été levé dans des commissions, n'oublie pas, dans des commissions parlementaires. Le problème aujourd'hui, c'est que quand on commence à dire, attendez, doucement papillon, l'octroi de mer vous a bon dos. Nous, on a vu d'ailleurs que tout le monde disait sur la TVA, il y avait des choses comme ça qui étaient dites à l'époque sur la restauration. J'ai déjà dit sur ce plateau, ah, c'est à cause de la TVA, la TVA est trop importante, c'est pour ça que les restaurants pratiquent des prix exorbitants, c'est parce qu'il y a trop de TVA. Bam, ils ont fait descendre la TVA, les prix arrêtaient pareil, ils ont monté. Ah bon?
D'accord ? Ça veut dire qu'il y a eu des effets d'aubaine. Donc, ce que l'on dit lors des commissions d'enquête, et la dernière a été d'ailleurs conduite, demandée par le Parti Socialiste, conduite par Johnny Aja, sur la cherté de la vie en Outre-mer, ce qui a été demandé aux entreprises, c'est donnez-nous les éléments qui vont nous permettre de constater comment vous faites les prix. Yo palais ! Vous avez un certain nombre de grandes entreprises qui sont dans tous les DROMCOM, donc Outre-mer, qui ne publient jamais leurs comptes, qui préfèrent payer des amendes plutôt que de publier leurs comptes. D'accord ? Quand vous fouillez un peu et que vous voyez, vous découvrez qu'il y a des GIE, des machins, mais que c'est un peu la même chose. La même entreprise fait la distribution, fait le transport. En fait, c'est un système de millefeuille. Mais à chaque fois, le millefeuille, c'est nous qui le payons. Hein. Ah, mais oui, mais ça vaut 0,5. Ah, ça, c'est pas grand-chose. Et puis, arrivant en fin de course, donc le distributeur vous dit, non, mais vous croyez quoi ? Mais moi, je ne fais pas de marge ici, en Martinique. Considérez ces cadeaux, c'est des altruistes, ils ne font pas de business avec nous. C'est gentil, au gentil, au cas, mettez supermarché tous les 10 kilomètres. La réalité, c'est qu'il faut que nous arrivions à contraindre. Et attention, il ne faut pas racialiser la profitation. Hein. L'État nous en Martinique et Martinico, pure souche comme ils voudront s'appeler, c'est même bail là. Hein. Pas ni en monde qui a fait nous cadeau. Pas ni en monde qui a vendu en bagaille qui a fait nous cadeau. Et d'ailleurs, on s'est rendu compte de ça en 2009. Hein, quand le truc, on était tous là, il y en avait qui vendaient un kilo de tomates à 10 euros. Hein. Bon. La réalité, c'est qu'à un moment, il faut qu'on arrive. Mais c'est un peu le monde qui est comme ça. On finit par ne plus savoir ce que valent les choses. Tellement les gens sont dans des délires quand ils sont en Martinique. Vous allez dans un côté, la dernière fois, je vous parlais de ça. Vous allez dans un côté, même à la pharmacie. Vous avez une plaquette de médicaments qui est là, non remboursable, qui est à 29 euros. Dans une autre pharmacie, elle sera à 50. Comment vous pouvez comprendre la construction du prix ? Eh bien, c'est dans beaucoup d'endroits comme ça. Alors, il y en a qui vont vous parler de quantité, de ceci, de cela. Mais enfin, il y a des accords. Quand aujourd'hui, vous allez, je ne sais pas moi, au supermarché, maintenant, on a des grandes enseignes. Donc, on peut comparer les prix qui sont pratiqués en France dans ces grandes enseignes-là. Et puis en Martinique, puisqu'on a les applications. Oui, c'est ça. Et puis, nous, Kawek, Bagayla, Kamudipillé, c'est du 200-300%. Oui. Vous vous retrouvez avec un paquet de 6 rouleaux de papier toilette, ça vous revient 6 euros maintenant en Martinique, un truc qui vaut 2,50 € en France, et on sait, parce que Dani, tu dis, oh oui, les frais. Oui, les frais, mais il y a la ristourne de fret. Et c'est pour ça que je parle de l'efficacité des services publics. Nous payons de l'aide pour ce qui importe. Nous payons une aide qui s'appelle la ristourne de fret. Et vous savez, c'est quoi le problème ? C'est que la ristourne de fret arrive tellement tard quand les entreprises la demandent que quand elle arrive, elle est censée... Donc une ristourne de fret, c'est-à-dire qu'on les aide à payer les coûts du fret. Quand elle arrive dans l'entreprise de fret, par exemple, elle arrivait tellement tard qu'il ne va pas l'inscrire pour faire baisser le prix de sa production, puisqu'en plus, on aura pris 8 mois à le payer. Il va l'inscrire en recette exceptionnelle, produit exceptionnel. Mais peut-être même qu'il sera obligé déjà de liquider sa société. Hein. Non, il sait gérer. Il sait gérer. Mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que nous n'avons pas suffisamment de lisibilité et nous n'avons pas des objectifs suffisamment clairs sur les méthodes de développement économique de ce pays. Et tant qu'on n'aura pas, un projet affirmé, qu'est-ce que l'on veut développer comme là sur des produits ? Est-ce qu'on veut faire du riz ? Est-ce qu'on veut faire une agriculture vivrière qui puisse faire manger ses agriculteurs et nous faire manger correctement ? Est-ce qu'on veut développer une petite industrie, par exemple, de fabrication de saucisses, de ceci, de cela, ce qui se fait ailleurs ? Hein ? On a des petites unités en Guadeloupe, est-ce qu'on dit au monde industriel et à la MPI, écoutez, on va mettre en place un budget qui va favoriser la fabrication d'unités de production qui va correspondre au marché martiniquais. Bon, eh ben on n'a pas tout ça. Mais en fait, quand je t'écoute, j'ai l'impression d'être d'accord avec tout ce que tu dis. Donc, et t'es triste ou pas ? Pas du tout. Ça me rassure. On verra pas. Ça me rassure. Encore une fois, et on l'a tous dit sans doute de manière un peu différente, cet instrument, il ne peut être au service que d'un projet politique préalable. Si on le pose juste comme étant un moyen de garantir des recettes à des collectivités, bon, les communes s'en contenteront. Mais ce n'est pas ça le sujet.
C'est pas ça le sujet, comme le dit Béatrice. Quand tu as dit que tu as mis toi devant les confitis, mais si on a une vraie stratégie de production endogène de confitis bio, etc., mais ou là, il faut avoir les fruits. Donc, il faut remettre en fiscalité, très bien, mais à un moment donné, il faut donner les terres, il faut donner les fruits, il faut donner les gens qui forment, ou les gens qui ont planté les fruits, qui ont récolté les fruits, qui ont transformé. Mais si on ne fait rien de tout ça, et puis, ou quand vous mettez en fiscalité, en les potes confitia, Bougakadou, ton choix n'est pas lisible. Et il remplit un objectif qui paraît ambigu parce que tu prétends vouloir aider la production locale et tu ne le fais pas. Donc, il faut effectivement de la simplification. Il faut renforcer les mesures de pilotage et de contrôle. Il faut renforcer les mesures de pilotage et de contrôle. Il faut optimiser l'emploi parce que entre la répartition, investissement, fonctionnement, donc, et ça. Et puis moi, je suis de ceux qui disent qu'il faut aussi aller vers des aides directes. Et là, la politique, la stratégie politique est lisible. Ce n'est pas en prenant une délibération et en fixant un taux qu'on a donné de la lisibilité. Ça doit s'inscrire dans quelque chose de beaucoup plus large, de beaucoup plus clair, qui, à mon avis, n'est pas visible. Et je serais partisan, comme on a fait pour l'agriculture, qu'il y ait un vrai posé pour l'industrie, pour faire en sorte que l'on fasse émerger une industrie qui, depuis 20 ans, est à 7% du PIB. C'est ça, la réalité. Et face à ces incuries-là, ma crainte, c'est de voir, finalement, le gouvernement prendre des dispositions de simplification dans lesquelles nous aurons perdu la maîtrise d'un instrument fiscal, comme le disait tout à l'heure Béatrice. Certes, l'Europe fixe le cadre, la France met les règles, mais nous, en Martinique, nous avons les moyens d'identifier notre stratégie en matière de fiscalité locale. Alors, comment gérer ça? Comment changer tout ça? Je veux bien, mais parce qu'il y a d'autres sujets, hein. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais... Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça? C'est-à-dire, prochaine élection, CTM, peut-être que certains partis vont faire des propositions, mais une fois élus, est-ce que les gens respectent ça? Est-ce qu'il n'y a pas une façon d'obliger les gens à respecter? Déjà, comment corriger tout déjà, ça Malo, 2025, nous trouvons un consensus entre les forces politiques et l'ensemble des forces économiques martiniques. Parce que, faut bien dire ça, l'octroi de mer sans dérogation à la libre circulation, ou pas pour mettre pièces caltées, taxe ou l'impôt qui a empêché les biens circuler. Et qui ça l'Europe dit comme ça, par rapport au handicap structurel, ça fondamental, mot à là, même si ce n'est pas un bel mot, l'éloignement, l'insularité, la faible superficie, le relief tourmenté, accidenté et une dépendance à un petit nombre de produits. Et du coup, comme on a une difficulté pour financer en développement économique, manque d'abord la possibilité d'y taxer produits importés à plus qu'y produits locaux. Pour défendre ce que vous avez créé, le différentiel de taxation, mais on ne parle pas d'entrer dans être technique pour embrouiller ces mots-là. Donc, le mécanisme là est fondamental. Joyeux tirer ça, manque d'où toutes les petites industries martiniques menacées. Et ça, c'est clair. Donc, il faut nous arriver à améliorer le système là. Il faut nous arriver à conserver, maîtriser le système là. C'est l'État. Parce que si l'État d'où il a fait un TVA et régional additionnel, il a d'où taux moyen, c'est 8,5, il a mis à 17%. Et pourquoi payer 17%? On l'a tout bagaille. Pas seulement sur l'État. On l'a tout service, on l'a banque tout bagaille. Tout bagaille, vous pouvez payer 18% TVA, ou par contre, tous les produits. Donc, la question, c'est qu'il faut nous conserver maîtrise bagaille là. Et concernant l'entreprise, vous ne pouvez pas nous parler souvent de l'entreprise. Monsieur. Oui, mais. Nous allons parler, mais c'est plutôt fonctionnel. Arrête, bouchez qu'à parler du dimanche. Mais c'est pas qui docteur qui a parlé de santé. Ou qui a dit qu'on parlait d'éducation alors. Nous allons parler beaucoup pour moins de l'entreprise. Bien sûr, bien sûr. Mais que les entrepreneurs parlent de l'entreprise. Et ça rapporte à la Kadoum, réfini et puis ça, en citation, comment rarement, ouais, Adam, en rapport à la Cour des comptes ou bien en rapport simplement, une entreprise est compétitive lorsqu'elle est capable de se maintenir durablement et de façon volontariste sur un marché concurrentiel et évolutif en réalisant un taux de profit au moins égal au taux requis par le financement de ses objectifs. Ouais. C'est-à-dire que, vous pouvez être délai à la définition, mais il y a donc que pour une entreprise qui peut vivre durablement en leur marché, il faut y faire profit. Oui. Non, je voulais dire que j'entends beaucoup de choses avec lesquelles je ne suis pas totalement d'accord. D'abord parce qu'il y a les entreprises assujetties à l'octroi de mer sont celles qui font un chiffre d'affaires supérieur à 550 000 euros. 550 000 euros. Ça élimine
y en a beaucoup qui ne font pas ça. Mais dans l'industrie, si on ne peut pas faire shifter, on ne peut pas faire industrie. Hein. Qui doit venir. Non, ça s'assure que... Si on ne peut pas faire shifter, on ne peut pas faire chiffre d'affaires. Le, groupe, non, des, non, mais le ouais. groupe des poètes, ouais. il n'est pas dans ce cas-là. Mais les petits artisans, ouais. ils ne sont pas à ce niveau-là. Donc, c'est, pour ça que c'est pour ça que l'industrie est à 7% depuis 20 ans. Je vais continuer. Ça, c'est la première chose. Non, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que 61% des produits sont taxés entre 0 et 10%. Même si l'octroi de mer en Martinique va de 0 à 50. C'est-à-dire que je ne suis pas d'accord avec ce que fait ce qu'on fait dans nos assemblées. J'ai des critiques, mais il faut être juste. 61%, alors, des produits sont taxés entre 0 et 10%. Le quart de la production locale bénéficie d'exonération. Ce n'est pas Merci. Toute la production locale. Moi, j'ai pris les chiffres et je les ai travaillés. Bon, donc, tout ce qu'on peut dire seront vus. Moi, ce que je dis, c'est que depuis 1983, première élection régionale, nous sommes en 2024, ça fait un peu plus de 40 ans. En 40 ans, on a le temps de réfléchir. Et je trouve que nous n'avons pas fait assez. Non, non, nous n'avons pas fait ce que nous... On ne sait pas si c'est assez ou trop. Nous n'avons pas fait ce que nous aurions dû faire. Avoir une stratégie. On n'a pas à chaque fois. Réfléchir. Par exemple, je, personnellement, hein, j'exonère une entreprise de production. Mais je signe une charte avec toi. Je voudrais savoir à quoi tu t'engages. Je veux que sous le plan social, tu sois irréprochable. Je veux que tu respectes les conventions collectives. Je veux que tu respectes le code du travail. Je veux que tu favorises l'implantation de sections syndicales dans ta boîte. Je veux que tu fasses participer les représentants des salariés à la gestion de l'entreprise. Mmh. Tu m'as parlé des pâtes tout à l'heure. On faisait des pâtes en Martinique. Oui, ça fait 20 ans. Il y a 20 ans. Sauf qu'il ne fait pas de tala. Ça agité. Hein. Bon, Bernard, il n'a pas fait main. Octroi de mer ou pas octroi de mer, il fait quand même. Les biscuits, Girard, biscuits du Girard, il n'a pas fait main. Il fait main ou pas, il n'a pas fait main. C'est pas en les rochers du diamant, il mettait. On va mettre ça en l'aide de l'octroi de mer, alors. Moi, pas dit ça. Non, ça c'est lié. Moi, pas dit ça. Moi, dit que malgré tout, ouais. malgré ça, l'octroi de mer. Laisse-moi finir. L'octroi de mer, c'est. Ça n'a, l'effet sur les prix est faible. Et de toute façon, ça dépend, personne ne peut garantir. Nous sommes dans un pays, nous sommes dans une économie de marché. Les prix sont libres. Monsieur qui travaille par la CTM, il peut mettre ça, il est. Mais en compétition, hein. Chaque là, il peut mettre ça, il est. Donc, ouais. avant d'acheter encore une pistache, ouais. machin, commando, ça, il est. Les prix sont libres. En pharmacie, les prix qui ne sont pas remboursés, c'est libre, c'est comme ça. Eh bien, qu'est-ce qu'on te dit? Mais ça fait longtemps. Quand on nous dit ça, eh bien, il faut faire jouer la concurrence. Bon. Mais il y a des choses qu'on ne fait pas. Et donc, avant de dire l'État ceci, la Cour des comptes ceci, la Cour des comptes cela, je commence par balayer devant ma porte. Ça, oui. Parce que nous n'y avons plus les olis. Alors, c'est bien pour ça que je demande depuis tout à l'heure, que faire et par qui? Alors, vous m'avez expliqué qu'il y a l'État, qu'il y a l'Europe, mais c'est la collectivité. La volonté politique. La volonté politique. Déjà, diminuer le nombre de tout. Rendre les choses plus lisibles. Plus volonté politique, non, mais attendez, on le dit tous. On le dit tous, c'est clair. La volonté politique martiniquaise qui doit faire quelque chose. Oui, bien sûr. C'est pas l'État et c'est pas l'Europe. Ça serait la pire des solutions. Mais c'est justement ce que l'on dit. C'est-à-dire que la grosse question sur le droit de mer, c'est que c'est à nous. C'est nous qui qu'à gérer. Tu viens de dire qu'il y a, ça fait 40 ans que ça dure. Ouais. En 40 ans, mais on n'a pas monsieur, des leçons. Il manque une petite image. C'est conscient qu'il a conduit en auto, il a fait main, et puis qu'il a habité tous les 50 ans qu'il a fait accident. Il a dit, mais qui ça fait qu'il fait? Où est-ce que pour dire là où il est allé, sans les faire, qui m'en aura fait, ou qu'il prend chimette là pour telle raison, ou qu'il a appris tout à pour telle raison, ou qu'il a fait telle stratégie. Alors, et ça n'a ni sens.
Alors, soit on va dire vous vaisiez, soit on va tirer permis en l'an, mais pour ne pas continuer tout le monde. Mais pour l'instant, nous n'avons pas le choix. Ça, c'est les élections. Eh bien, voilà. Ça, c'est les élections. Ça sent l'autre. Et ça, c'est ce qu'on... Mais non, mais c'est ce qu'on dit. Nous réagissons trop tard. C'est pas trop tard, puisque les gens... Parce qu'on sait quand même, depuis 2021, au départ, les régimes dérogatoires de mer, c'était 10 ans. Et puis on l'a réduit à 7 ans. Donc on sait ça, on connaît les règles. Tout ça, les Français. C'est comme les fonds européens. Bon, mais ça va pas parler de ça encore. Mais on attend. Je ne sais pas pourquoi. On ne fait pas, je le redis, ce que nous aurions dû faire. Voilà, Béatrice. Et on ne le fait pas pour la simple et bonne raison que le pouvoir est centralisé. Je t'ai entendu lors d'une émission sur une chaîne concurrente préciser le fait que la concentration, quelque part... Un exécutif solitaire. L'exécutif, c'est de notre faute. Hein. C'est-à-dire que le fait, encore une fois, s'il te plaît, le fait, quelque part... à chaque fois que l'on se repose les mêmes questions et que les gens nous disent « Ah ouais, mais vous voyez, ça fait des années que ça dure et tout ça. » Mais oui, mais c'est toujours les mêmes qui sont là. Vous ne pouvez pas espérer, en faisant la même chose, avoir des résultats différents. OK ? Ce n'est pas possible. Donc, il y a un moment, soit les personnes qui sont là donnent la preuve qu'elles sont capables de se révolutionner et puis les gens bougent. Soit les gens se rendent compte que bon, bah, il n'y a pas de révolution possible sur la façon d'aborder les politiques publiques. Et dans ce cas-là, c'est à charge pour le citoyen de décider de donner la main à quelqu'un d'autre. C'est ça. Mais ça, on est obligé de le dire aux concitoyens. Personne ne peut qu'il faille basote. Si vous attendez que bon Dieu change en moun Adam en élection, eh bien, vous prenez en Adam ça. Parce qu'aujourd'hui, la réalité, c'est que moins les gens se mobilisent pour leur choix, plus ils ont de chances de revoir ce qu'ils avaient déjà. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui ont des socles électoraux. Si vous pensez aujourd'hui que la Martinique, depuis 40 ans, ne va pas assez bien, assez vite et tout ça, il faut de la diversité, il faut du renouvellement, parce que ça rafraîchit également la preuve. Sur le plateau, c'est aussi sympa quand on a des nouveaux arrivants avec des idées différentes. Ça rafraîchit, et des fois ça met un petit coup de fouet à nos propres idées, parfois ça nous fait mal aussi. Mais il le faut, et la Martinique a besoin de ça. La Martinique de respiration. On a besoin d'un coup de fouet. On n'a pas besoin d'une respiration, on a besoin là d'un coup de fouet. On a, dans les sujets qu'on avait, on a le transport et tout ça. Sincèrement, hein, on peut pas, par exemple, habiter Fort-de-France. Je le dis et je parle là à Didier Laguerre. On ne peut pas être dans la ville d'Aimé Césaire et de ne pas avoir, par exemple, de bibliothèque municipale. On ne peut pas avoir des écoles dans l'État où elles sont, quand on sait, et sur toutes les communes, quand on sait que l'éducation, c'est le centre névralgique de ce que va devenir la Martinique. Si on ne met pas les moyens, si on n'a pas une stratégie, une vraie stratégie, pour faire de que notre île, que notre population se développe, émerge, se sente mieux, soit rassuré par les politiques publiques, nous n'y arriverons pas. Voilà, c'est mon petit coup de gueule. Il était bon. Voilà, on va passer à un autre sujet. Ah, on va arrêter de faire une petite conclusion. Sur l'emploi, parce que c'est ça. Sur l'emploi, le travail. Oui. Martiniquais, c'est ça qu'on va chercher plus. De quoi chercher. Non, l'émission n'est pas finie. Hein. Ah oui, non, mais tu t'aimes là, le thème de l'emploi. Parce que c'est la défense de l'emploi. Si pour moi, un monde qui a fait politique, c'est un sujet fondamental. Il faut qu'on défende l'emploi pour le monde, pour ça gagner la vie convenablement, pour que ça vive. Pour ne pas commander, comme on a dit, chien pain ou la chaîne. Qui ça qui n'y a dit dans le rapport? C'est pour que je dit tout compatriote. Et c'est lui, ça qui peut lire. Nati Synthèse. Il a dit à la page 105. Le chiffre de 40 000 emplois générés par l'octroi de mer dans les secteurs productifs est évoqué notamment par Eurodoc. La Cour n'a pas été en mesure d'analyser la méthode et les sous-jacents permettant d'aboutir à ce résultat. L'INSEE, interrogé à ce sujet, indique ne pas disposer de données suffisamment fiables. C'est un gros autre compte, maman, là, mon fini. L'INSEE a dit qu'il n'est pas capable, gars, moyen, c'est mon ami, gars, mon ami, misérer l'effet de l'octroi de mer sur l'emploi. Eh bien, nous, Martiniquais, soit nous au combat,
nous te faire propre institution. Oui. Ça c'est position moi. Et puis nous te faire misérer tous les effets, mais nous te dit l'État, faut qu'on nous toutes ces données, c'est-à-dire faut pas dire le secret fiscal pour nous payer ça, fait travail là. Et m'a fini Carl, bon la Paul. M'a fini ou là, cadeau. Les activités le plus souvent citées par ce dispositif sont l'industrie des viandes, l'industrie laitière, l'industrie des boissons, le travail du bois et la fabrication d'articles en bois, l'industrie du papier et du carton, l'édition, l'imprimerie et la reproduction, la fabrication de peinture et vernis, le travail des métaux. Mais c'est là, nous n'y en travail pour faire, nous Martiniquais, pour prouver que nous n'y en projet de développement et que taxe-ta, l'agent là, nous peut servir pour aider l'entreprise du secteur là. Carl. Le petit livre bleu que tu as là. Réflexion libre sur l'octroi de mer de Philippe Saint-Cyr et Philippe de Bruno Marquez. Bruno Marquez. Voilà. Ils ont demandé 50 000 euros à la CTM. Pour être aidé. Sur une réflexion. Pour aller plus loin et travailler sous le chiffre des douanes. Parce que j'ai fait. Parce que j'ai beaucoup travaillé avec Bruno Marquez pour préparer cette question-là. Et on a besoin des volumes de marchandises importées comme des volumes de marchandises fabriquées, on a besoin de leur valeur. Bon. Sinon, c'est des quantités qui ne sont pas signifiantes. Oui, mais tu as parlé de 50 000 euros, tu n'as pas donné la chute. Eh bien, ils n'ont pas eu la réponse. Voilà. D'accord. Ni dans l'ancienne mandature, ni dans la nouvelle. Voilà. Alors, je ne sais pas si ce n'est pas tout le temps les mêmes. Je ne pas porté au baptême, je ne peux pas dire où. Moi, je m'intéresse à l'ordre politique depuis longtemps et je vois de nouvelles têtes. Il n'a pas été élu en 83, mon voisin de gauche, de droite. Lui non plus. De gauche et de droite. Donc, peu importe. Et à droite. Peu importe. Donc, il y a eu des élus divers et variés. La collectivité a commencé en 83. Ce problème d'octroi de mer a éclaté, vous vous rappelez comment ? L'arrêt Lancry. L'affaire Lancry pour les farines importées. Ouais. Bon, en 89, il y a eu un premier règlement qui a été conforté dans le traité de Maastricht, puis dans le traité de Lisbonne, article 339. Maintenant, il y a une base juridique pour permettre qu'on ait des dérogations. Mais ces dérogations, l'Union européenne a toujours dit que c'était quelque chose qui était pour une durée. Mais nous faisons ici comme si c'était éternel. Alors c'est clair, hein. L'Union européenne, c'est d'abord une union douanière. C'est d'abord ça. Ça veut dire que les marchandises qui occulent chez eux. Si on nous parle, nous qu'à sortir un didagne. C'est vrai. Si pas en goût nous. Si nous pas en goût nous. Eh bien, nous qu'à sortir un didagne. Constat, tu as bon, maintenant, si nous en didagne, eh bien, il y ça. Oui, nous avons une des dérogations qui sont temporaires, qui durent 10 ans, maintenant le délai c'est 7 ans. Ça doit être revu en 2028. 2027. Non, 21-28, il me semble. Hein. Enfin, peu importe. 27. J'espère que d'ici là, on aura avancé. Bien. Alors, un mot sur ça et puis on passe à autre chose. En tout cas, c'était... Enfin, sur ça, le livre donc, de Philippe Saint-Cyr et Bruno Marquez. C'était vraiment... un petit clin d'œil, mais voilà, bon. On le voit, c'est Matrice qui menait, mais bon, voilà, c'est Philippe qui t'a beaucoup PPM, hein, donc même si on était toujours d'accord avec le pays. En tout cas, il prend. Tu faisais partie du PPM ? J'y étais un temps au PPM, d'accord. Pendant très longtemps, mais je suis aussi attendu. Un long temps, mais. Et j'en suis extrêmement fier, frère de mes amitiés, de mon parcours, non, pas du d'accord. tout, aucun regret, non, ni amertume. Maintenant, quand on sait pas changer le sens du mot camarade, et bien on change de camarade. Donc voilà. Et donc et Philippe, j'ai même un petit mot de Philippe a fait un travail extraordinaire avec Bruno Bruno Marquez. Non, voilà. Et puis j'aurais aimé associer à ces travaux-là Jean-Émile Saint-Fort, qui c'est un beau qui a travaillé le CNAM, qui t'a fait justement, dernière fois, nous t'es allé à deux manifestations, t'es présenté le livre-là, qui t'a fait une présentation justement pour permettre les LUA, ni en base de données sortie de la religion, sortie des lieux communs. Et ça, c'est fondamental que nous t'ayons rappelé ça. Oui, peut-être. Mais juste pour dire qu'il y a quand même un comité
qui s'est mise en place à la, par le biais de la CTM, un comité d'études sur l'octroi de mer, et qui était supposé rendre une feuille de route, d'ailleurs, me semble-t-il. Ça, il a été mis en place début décembre. Donc c'est le comité de pilotage sur la réforme de l'octroi de mer que la CTM est assistée, pas de nos vigoureux penseurs martiniquais universitaires, mais d'un cabinet qui, aujourd'hui, rend un certain nombre de conclusions qui, en tout cas pour celles qui sont apparues, ne m'ont pas paru être des espèces d'éclairs de génie. Mais il y a donc a priori... Conclusion bien prise. Voilà, il y a a priori une étude. Moi, j'aimerais bien qu'on ait cette fameuse feuille de route qui est censée être rédigée. C'est comme les commissions d'essai de l'Assemblée nationale. Bon, il y a alors, des représentants plus, des consommateurs, des professionnels... Plus de dessertes des vedettes maritimes, où réside le problème? Moi, je connais quelqu'un qui m'a parlé aujourd'hui de cette histoire de vedette maritime. C'est une jeune qui a 23 ans. Elle a été embauchée aux Trois-Îlets. Et elle n'a pas de permis. Il n'y a pas de bus, il n'y a pas de vedette. Donc, pour l'heure, là, elle ne sait même pas si elle pourra véritablement commencer son travail. Est-ce que vous avez entendu parler de ça, de ce problème de dessert des vedettes maritimes? J'entends parler de propos... que le patron, M. Conconne, il y a une plainte qui a été déposée pour des problèmes, des propos injurieux, je crois. C'est pour diffamation. Diffamation. Alors on essaie de dire deux ou trois mots sur ça, parce que ça devient compréhensible. Juste, il n'est pas normal qu'un service public aussi important puisse rester à l'arrêt pendant un mois. Il y a plusieurs choses, moi, qui me laissent très interrogatives. Je ne veux pas être accusée de diffamation. Du coup, je vais mettre tout au conditionnel. Bon. Il semblerait que, le service public qui a été mis en place pendant un certain nombre d'années n'ait fait l'objet que de très rares contrôles. D'accord ? Encore une fois, je le dis. L'argent public, c'est pas râler chaise bottable et puis on est là. Non. On doit être efficace dans l'usage de l'argent et des politiques publiques. Donc, que quelqu'un qui a un contrat ne fasse pas l'objet régulièrement de contrôle et d'analyse de ses comptes me pose un problème parce que, a priori, ce qui est dit, c'est qu'il y aurait eu aussi des pratiques entrepreneuriales qui n'auraient pas cadré avec le contrat. Ça, c'est une chose. C'est lui ou un salarié qui a dit ça? Non. Alors, il y a un syndicaliste, une vidéo d'un syndicaliste qui tourne, mais je mets tout au conditionnel pour qu'on ne pense pas que je fasse une... Mais par contre, ce dont je suis sûre, je le dis et je l'affirme, Martinique Transport ne fait pas son travail de contrôle et d'application des pénalités contractuelles sur tous ces contrôles. C'est qui? David Zobda. Il y a une obligation, lorsque l'on délègue un service public, de faire le contrôle des services et d'appliquer les pénalités contractuelles. Ça n'est pas fait suffisamment et il y a peu de pénalités contractuelles qui sont mises en œuvre. Deuxièmement, il y a le contrat qui va être renouvelé. Je ne sais pas si quelqu'un veut en parler, mais la DSP va être renouvelée puisqu'elle arrive à son terme. La DSP ? Délégation de services publics, donc c'est un contrat, une concession maintenant on dit, va être renouvelée. Donc on confie à un professionnel un contrat. Et là, ce que le patron, M. Conconne, aurait dit, c'est que pour lui, le lancement de l'appel d'offres était déjà pipé parce que l'ancienne entreprise CFTU qui s'appelle maintenant, qui a un nouveau nom, City Up, serait déjà en train de s'organisait déjà avant le lancement de l'appel d'offres. Et donc, il y aurait vu déjà une prémonition sur le fait que cette entreprise soit retenue sur cet appel d'offres en matière de transport maritime. Mais moi, quoi qu'il en soit, quel que soit, et je veux le dire aux Martiniquais parce que il y a en effet, moi j'ai entendu une jeune qui parlait de ça et qui a été embauchée. Alors, il y a quand même des moyens. Mais pour elle, pour être à son service à l'heure, elle passe donc de 40 minutes de transport à plus de 2 heures. Mais celle dont j'ai parlé, il paraît que ses parents cherchent un appartement pour elle, près du travail. Et ils n'ont pas les moyens. Oui. Enfin, on parle de transport maritime, mais on aurait pu parler... Enfin, oui. Il y a une grève. Très bien, on aurait pu dire pourquoi il n'y a pas un service minimum. C'est des choses auxquelles on peut... Convention collective. Qu'on peut organiser politiquement. Mm-hmm.
Mais enfin, on peut pas aussi parler de transport de passagers. Et maintenant, mon cadeau, ça me réalise, c'est mon ça tout long. Pour nous, avancer à souci mes responsabilités, il faut que nous fassions un double effort. Il faut que nous basons mon confiance, d'accord? Et il faut que nous crédibles. Si mon vin n'est pas en pitié pour convaincre que c'est un poison, qu'il a même sous malade ou pas guide, il est pitié. Ou pas savent, pas qu'à faire moins confiance. D'accord? Donc, si on est dans l'hôpital, qui a venu et puis en belle blouse, et qui a venu pitié, ou qui a dit quoi, même si, il est crédible. Ou pas connaître lui, hein, mais il est crédible. Donc, si pas ni confiance, pas ni crédibilité, on ne peut pas avancer dans la pièce qu'on a fait. Là, dans les années 2010, à l'époque Béatrice était qu'à travailler, l'espace sud, nous faisons la promesse politique. Nous faisons la promesse politique. Il y a 13 autorités organisées de transport, Lorrain, Trinité, etc. etc. Nous disons qu'on va rassembler. Pour qui ça? Pour nous avoir une stratégie commune, pour nous financer ensemble, mais surtout pour nous faire mieux. Hein. Organiser. En fait. Donc organiser mieux. C'est une promesse politique là, nous faire. C'est moi qui étais rapporteur. Ben, là. On peut dire, on va chercher. Hein. Création, Martinique Transport, autorité unique, là, habilitation, c'est moi qui étais rapporteur. C'est tout le monde qui travaille, mais c'est moi qui étais rapporteur. Donc on peut dire ça. Nous faisons promesse. Et là, je vois que le débat est comme ça. Je regarde à tèche et le chien. Bon matin encore, je n'ai pas été à travailler. Je suis obligé de prendre un petit moment pendant que je dépose le chemin, déposer l'école. Pour qui ça? Pour que je dise qu'il a depuis 6 heures, qu'un bus 6 heures, 10 minutes, pas passé. Vous savez combien de jours pas de bus en ligne 111 Terville dans l'année maintenant? Dis-moi un chiffre. Je ne sais pas quoi dire, mais vu les résultats. Dis un chiffre, pas sérieux. En dizaine de fois? Pendant 200 jours par bus. Allez, 365 jours. Et les moulins payés. Et le rabat est sans service de transport. Et les moulins payés. L'île 111 là. Moi, c'est pas dit même là, la démarche, c'est près de 150 jours. Moi, tu as discuté avec Pierre Boubou matin. Il y a des étudiants qui ont fait un complément de loyer en Bakaïli. Il est obligé de quitter cette Bouga Pati sans préavis, puisque chaque jour, c'est Bouga, pas ni bus pour monter, pas ni bus pour aller à l'école. Quand ça va là, nous ne pouvons pas accepter ça encore. Ça suffit. Ça suffit. Alors, je sais que beaucoup de la situation actuelle résulte des marchés qui ont été passés par l'ancienne mandature. Mais à un moment donné, quand on a nos responsabilités, tu sais, tu viens à une élection en disant « je vais faire mieux ». Et les gens jugent sur le résultat. La situation du transport en Martinique, du transport public, est inacceptable. Le cas gardé, l'État, c'est abribus là. Dans la commune, il a dit « bien vieillir ». L'aîné. Mais Koto, où ça en pays est ni chalet. Et ni vent, et il y a donc Martinique ni en vieillissement, c'est mon nom peut pas assis, c'est grand mon nom peut pas assis, il y a bando en bas soleil. D'un côté, mon père non mais c'est mon nom qui est en grand tiers réserve, là qui tenait anti abribus, je mettais des bails pour déchets, des bails comme ça. Donc c'est mon nom pas mon côté pour assis. Quand qui mon nom a fait? Et pour qu'elle dise c'est mon tala ou l'avancer dans le chemin de la responsabilité, alors que je rappelle que avoir une habilitation en matière de transport, c'est disposer de tous les éléments réglementaires pour organiser le transport, son financement, l'accès au marché, etc. On l'est la terre, on l'est l'emmer, moun et marchandises. Ok. Pas moitié. Karl, deux mots sur ça, cette histoire de dessert maritime. Non, ça prouve que les astuces plus ou moins géniales administratives ne règlent pas le problème. De fond. Les astuces. On peut, parce que souvent en Martinique, on fait croire aux gens, on va faire une seule autorité, ouais, une seule autorité unique, et puis c'est la magie. C'est la magie. Comme par magie. Mais non, je ne suis pas contre une autorité unique. Mais c'est une condition nécessaire, ce n'est pas une condition suffisante. On est d'accord. J'imagine que Daniel Chaumet comprend ce que je dis. Parce que c'est un langage. Attends. Soumettons ma caca dans Ferrari, il va gagner les 24 heures du monde, c'est pas problème Ferrari. C'est pas l'autre qui n'a pas le problème. Mais Karl, quand mettons ma caca dans Ferrari, il va gagner les 24 heures du monde, c'est pas pour autant que j'ai Ferrari. C'est pas ma caca que nous mettez. Pour ce qui concerne maintenant la situation d'aujourd'hui, moi je me suis renseigné auprès de Serge Saint-Rose, qui représente les usagers. Je connais, donc je n'ai pas allé en bas feuille, en bas réseau. J'ai été prendre, je donne son nom. C'est un ami. Martinique Transport n'a jamais regardé quoi que ce soit. Mais c'est comme ça qu'on fait pour l'emploi de mer, c'est comme ça qu'on fait pour le transport. On est exodé, on ne regarde pas. Là, on veut une DSP et puis tu vis ta vie. Bon, premièrement. Deuxièmement, quand, regarde, rappelez-vous une de vos sentiments, je ne suis pas le patron des patrons. C'est le président Martinique Transport qui a dit ça, M. Zobda.
Il y a un problème, ça fait un mois qu'il n'y a pas de vedette, et c'est tout ce que tu trouves à dire. Ah, c'est pas moi. C'est pas moi. Sauf que... Mon pas n'y a rien à voir de ça. Bon. Et puis, quant à l'appel d'offres, alors Daniel Marissette a fait paraître un communiqué dans lequel il dit un certain nombre de choses. Il dit qu'il y avait un candidat, une SEM, dont la ville de Fort-de-France est majoritaire, Bœuf Bétier, Ocon Bétier, avec cette entreprise City Up, petite parenthèse, qui était candidate pour le grand port maritime de Fort-de-France, je refais. Oui, mais bon. juste pour... Attends, et il dit, dans la commission de DSP qui analysait les offres, j'ai signalé une situation qui m'est apparue illégale, à savoir la présence au sein de la commission de conseillers de la CACEM, par ailleurs élu municipal de Fort-de-France. Tu ne peux pas être élu municipal de Fort-de-France et puis tu as assis à la commission d'appel d'offres. Si quelqu'un, si c'est du chinois que je dis, eh bien, je vais aller en Chine, je vais parler, et puis M. Xi Jinping, mais je ne vais pas penser que c'est chinois, je vais dire, ou ne peut pas faire ça. Très et bien. Si Mounla qui a fait ça, pas qu'à comprendre ça, mais qu'à penser qu'il a tenu assez de monde pour faire comprendre ça. Alors je viens d'entendre quand même Daniel Chaumet dire que ce qui arrive aujourd'hui, c'est la conséquence... Pour beaucoup, de... il faut dire la vérité. Attends, la conséquence de la CTM actuelle, mais de ceux aussi... C'est l'héritage. C'est l'héritage. Beaucoup d'héritage pour c'est la DSP. Ça n'explique pas tout. Ça n'explique pas tout. Mais je rajoute derrière, quand ça fait 3 ans que tu es responsabilité, ça t'en trouve des solutions. Y compris casser la DSP comme certains l'ont fait. Oui. La DSP. Comme casser la DSP comme certains l'ont fait. D'accord. Il faut être dit ou deux mots sur ça, parce que même les gens de Sainte-Marie ont un problème de transport, peut-être, non? Mais 150 000 Martiniquais. Surtout à 57 000 qui n'ont pas ni de moyens de locomotion. Il y a 90 000 personnes qui vivent moins de 820 euros par mois. C'est ça la réalité. Oui. Sur quoi dire qu'on diminue les inégalités? Mais c'est une manière pour que ça fonctionne. Mais on ne peut pas y voir, les personnes ou ça. Bon, c'est question, c'est ouais, comment nous peut trouver un chemin et puis aller vers en situation qui va là. On ne peut pas quitter une entreprise 25 jours pour fonctionner. Oui. Ça n'est pas possible, mais parce que c'est tellement de monde qui s'agit d'entreprise. Mais acheter une entreprise là, ou tu ne veux pas acheter et Express là, et que l'Allemand a venu acheter. Acheter ni 5 milliards d'euros de fonds de dépenses des Martiniquais dans les banques françaises. 5 milliards d'euros. La Martinique qui a dormi dans les banques françaises, et puis qu'un machin, eh bien, nous mettons nous d'accord, et puis on nous crée une société maritime. Sans celle, je comprends, qui peut répondre à. Délégation service public. Là. D'après ça, je comprends que c'est un seul offre qui n'est pas. Je ne sais pas si je suis informé, je ne pas bien au courant. Dossier là. Donc, un seul offre. C'est que pas ni donc, entreprise martiniquaise constituée, ni même étranger qui vient. Donc, ça, déjà pour peut-être mener nous en réflexion. Donc, je dis 25 jours, c'est trop, maman là. C'est trop. Je vais changer les restaurateurs, tous les gens qui ont des magasins là, et trois îles et tout partout. Ils ont 4 choix économie pays. Là. Donc, peut-être qu'on peut rendre le patron responsable. On peut dire que c'est le patron qui n'est pas bon. Mais je crois que ce n'est peut-être pas seulement le patron. Il peut être, mais il faut qu'on passe à notre sujet. Il peut être ni d'autres éléments. Donc, ça, je vais proposer. C'est que, et d'ailleurs, je ne suis pas d'accord avec ce qu'a fait là, mais c'est la politique, c'est bon à diriger. Là, personnellement, ma partisan dit en régie de transport. Mais c'est ça, c'est venu pour dire. C'est des gens compétents. Collectivité a acheté le bateau. Et puis il a dit, c'est Mountala qui a exploité. C'est la fin des ah, peut-être, mais. En tout cas, madame Rubifet. Peut-être, mais c'est ça, moi, mais parce que madame Rubifet, je m'a posé comme moi question. Y compris dans le domaine de l'eau. Je m'a pas dit rien. En l'air, société qui soumissionnait. C'est efficace. Est-ce qu'il n'y a les moyens, les fonds, les capitaux nécessaires pour gérer un transport maritime alors, à long terme. On va passer quand même au dernier sujet. Très rapidement, il s'agit de la visite de Gérard Darmanin en Martinique. Mais sur ça, il y a quand même des choses que vous avez sorties là qui m'interpellent. David Zobda est maire du Lamantin. Il est aussi conseiller vice-président de la CACEM. Oui. Vice-président conseiller de la CACEM. Exécutif. Mais je ne sais pas si tous ces politiques-là, ce sont des super pouvoirs, quoi. Mais bien sûr. Comment on peut gérer tout ça de choses en il même temps? La seule pas, personne. Il a dit qu'il n'était pas super patron, mais il est. Mais non, mais je dis ça, que M. Zobda ne pense pas que je dis ça par rapport à lui. Je vois le nombre de politiques. À quoi qu'on ne peut pas. Mano, par rapport à ça, par rapport à ça, il faut analyser les choses au fond. Tu sais, tu as dit ça. Il y a les représentations dans les établissements, dans les organismes publics. Est-ce que finalement, dans cette collectivité-là, il y a assez d'élus?
Parce que quand tu regardes la Chambre... Il faut mettre 3 000 élus en Martinique. Je ne t'ai pas dit ça. Non, allons être sérieux. Parce qu'à un moment donné, tu sais, quand tu es élu, on te demande de rendre des comptes, on te demande d'aller dans les écoles, on te demande d'aller dans les organismes publics, parce que c'est la politique publique et c'est les fonds publics qui sont là. Donc, quand Béatrice dit l'argent public, il faut être exigeant, mais il faut être présent dans les instances dans lesquelles on est. Donc, si tu mets un nombre limité d'élus dans une assemblée, tu auras un nombre limité d'élus qui doivent occuper un certain nombre de missions et ce n'est pas possible. Et c'est face à ça que nous sommes. Donc moi, je considère qu'aujourd'hui, on doit avoir un vrai regard sur la question du statut de l'élu. Il faut sans doute plus d'exigences sur les résultats de l'élu, mais il faut aussi qu'il y ait un vrai statut. Est-ce que tu crois que je peux être à l'exécutif d'une collectivité territoriale de Martinique et puis corriger mes copies de bac? Tu vois? Parce qu'à un moment donné, c'est ça la réalité. L'indemnité d'un élu à l'exécutif, je ne sais pas, je crois que c'est 2000 et quelques euros. Est-ce que tu crois que je peux arrêter de travailler et vivre avec 2000 et quelques euros? Donc, il faut pousser le bouchon jusqu'au bout et être clair avec nos élus. Donc, avoir l'exigence sur les résultats, mais se poser la question, est-ce qu'on n'a pas nous-mêmes été dans une sorte de position un peu ambiguë, puisqu'il y a un discours un peu ambiant pour dire les élus sont là pour s'enrichir et s'engraisser, il faut y faire très attention. Donc, on n'a pas osé donner aux élus un vrai statut et faire que cette assemblée ait suffisamment d'élus. Et en même temps, se plaindre qu'ils ne sont pas présents, ils ne sont pas efficaces, ils ont trop de boulot. Tu sais, moi, sur ça, je veux te dire que j'étais président du parc de l'Agence de l'énergie. J'ai dû renoncer à 3 commissions. J'étais le seul dans la collectivité qui n'avait qu'une seule commission, celle que je présidais. Donc, les problèmes sont là, mais sans doute qu'il faut pousser sans doute la question de la réforme institutionnelle. Un des éléments, à mon avis, peut être investigué là. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup d'élus cumulards. Attendez, c'est parce qu'on une question. Attendez, s'il vous plaît. Une question. Sérieux. Est-ce que un élu peut être président d'une commission ou autre chose? Mais dans le cas de cette histoire de Martinique Transport, même si c'est David Zobda qui... C'est pas lui qui fait qu'il nous a fait, c'est bon, l'autre élu qui a fait. Non, c'est pas ce que je veux dire. Est-ce qu'on peut pas prendre quelqu'un qui n'est pas élu? On a souvent dit ici qu'il y a des Martiniquais qui sont capables de... Pourquoi ne pas confier ça à quelqu'un de CEO? Les statuts qui prévoient... C'est pas David Zobda qui va aller tous les jours voir si la vedette est remplie, pas remplie, etc. Arrêtons de dire des conneries. Il y a du personnel à Martinique Transport. S'il n'y en a pas assez, alors peut-être qu'il faut en embaucher. Je ne sais rien. Mais la responsabilité est politique, quand même. C'est plus gentil. L'administration, il est là, la responsabilité politique. C'est l'administration concernée qui fait ça. C'est Martinique Transport qui fait ça. Bon, c'est personne. Pourquoi passer à un autre sujet? C'est pas sur Martinique Transport. Non, juste rapidement sur la position des élus. Il y a une réalité également. Il y a un problème de positionnement parfois qui est celui des élus. On ne peut pas être élu et en même temps être PDG, en gros, hein, président, directeur général. C'est soit tu as un directeur général à qui tu dévolues un certain nombre d'ailleurs de choses à faire, soit tu veux tout embrasser jusqu'au petit courrier de réception, accusé réception que tu donnes. Il y a aussi un mauvais usage de la fonction d'élu, avec des gens qui malheureusement, plutôt que de donner des orientations, veulent gérer. Sauf qu'il faut, dans ces cas-là, avoir des personnes, mettre les personnes compétentes qu'il faut à la tête des organismes, tels que les gros organismes dont on parle. Il faut structurer l'administration de sorte à ce que ça ne fasse pas seulement plaisir, mais que ça rende le service pour lequel les Martiniquais payent. C'est ça, Fred l'a dit, on a plus de 100 000 Martiniquais qui sont en deçà du seuil de pauvreté. Mais qu'est-ce qu'on ne comprend pas dans le fait que le déplacement est vital, même pour notre développement économique? Qu'est-ce qu'on ne comprend pas? Comment on peut se payer le luxe de ne pas performant sur quelque chose dont on parle depuis 40 ans? Alors, est-ce que vous voulez bien qu'on dise deux mots de M. Darmanin qui était venu ici? Tout à fait. S'il vous plaît. Hein, est-ce qu'on peut commencer par Fred qui est très calme, très... Oui, racontez maman là, au Sabouchi. Parce que bon, nous sommes un petit pays, balade souvent personnalisé, il faut que c'est dépasser la personnalisation. Donc, le système-là qui est en place là, c'est M. Sarkozy qui mettait en place, et puis M. Letchimi, et puis M. Marie-Jeanne. Et il était très clair, ils diront ça, conseil exécutif là, c'est des professionnels de la politique quasiment qui pour là, c'est-à-dire, ça seulement il peut faire, tellement, parce que budget là, CTM, c'est 1,1 milliard 900 millions d'euros, c'est-à-dire le budget principal et puis les autres. Bon, alors, on n'était pas ça, Darmanin. Monsieur Darmanin, mais petit, ça dans le contexte ça, parce qu'il y a des gens qui ont des pouvoirs normatifs là, ils ont des bails en plus. L'État, il a géré, il a géré le pouvoir là, aujourd'hui, il y a. Et mon président conseil exécutif dit, monsieur Darmanin, pour y faire ça, tu peux quoi, il dit, quotidien, il faut y faire plus loi.
Eh bien, ouais, moi, pas bien d'accord avec le raisonnement, parce que c'est ça qu'il dit, M. Darmanin, sur la, il a abordé deux sujets, la sécurité et puis les institutions. Moi, je comprends qu'il n'y a pas l'octroi de mer. Il n'y a pas dit seulement oui. Ça. Moi, je comprends surtout qu'il n'y a pas du contrat de convergence et de transformation que la CTM, c'est monsieur le président Marjane qui était signé en 2019, et puis l'État, près de 500 millions d'euros. Et là, moi, quand je lis les documents, moi, quand même, Martinique, le taux d'engagement, c'est de 65%. C'est le monde qui est derrière nous. C'est Mayotte qui a 43%. C'est Mayotte. Oui, ouais. Il y a 43%. Mais la Guadeloupe vous a dépassé, il y a 100, la Guyane, en fin 2022. Donc, et ça, c'est M. Kadou. C'est M. Kadou, si vous pas servi l'agent avant décembre 2023, il y a péqué, le crédit qui est annulé. Alors, on rappelle qu'en Guadeloupe, il y a une région et puis un conseil départemental. C'est ça. Il n'y a pas de CTM. C'est ça. Donc, là, nous avons un vrai problème d'utilisation des fonds que l'État a mis à la disposition de la CTM. Et moi, tu as espéré que tu es venu en conversation, et puis monsieur le ministre de l'Intérieur, qui, pas oublié, hein, et c'est madame Guénévou, qui est ministre des Outre-mer, qui a dépendu. Elle a parlé d'Outre-mer. Qui a dépendu du ministre de l'Intérieur. Ministre délégué. Oui, monsieur. Ah bon, d'accord. Oui, monsieur délégué. D'accord. Ça, Magadou, là. Et la DGOM, qui a dépendu de l'administration du ministère de l'Intérieur, la direction générale des Outre-mer. Donc, moi, tu as pensé que tu as une vraie discussion en l'utilisation ou la non-utilisation des crédits que la France et que l'Europe Kaba a la Martinique pour le développement économique. Non. Il n'y a pas parlé de sa pièce, il n'y a pas de sécurité, ça bien. Radar là qui est venu, oui, deux radars, comme je dis. Il a dit qu'il a financé des caméras, il a dit qu'il a mis. Oui, oui, il y a un gros volet. Il a mis un radar encore là. Mais non, ce n'est pas radar, la route, c'est radar maritime. Maritime pour la cocaïne, pour les armes, trafic d'armes. Moi, on attend l'hôpital que ce radar là calme. Donc, il y aura fait beaucoup moins de cinéma dans la route là, puis ces radars là. Donc, il a mis des radars maritimes. Et puis, il y a mettre les moyens pour améliorer la sécurité. Mais, Magadou, il passait beaucoup de temps, le président du conseil exécutif, qui a parlé de l'évolution institutionnelle, c'est-à-dire il a viré mettre nous dans un bocal qui peut mener nos pièces côté. Voilà. Carl, s'il te plaît, La seule chose que j'ai retenue du propos de Darmanin, c'est ce qu'il a dit. Il a dit ceci, toute évolution de statut, tout changement de statut doit être au service d'un projet. Bon. Où est le projet? Alors, je dirais plus que le projet doit être débattu et proposé aux Martiniquais d'abord. Moi, je veux savoir ce que vous voulez faire. Okay. Vous me dites que vous avez besoin de loi? Pourquoi pas? Mais pour faire quoi? Dites-moi ce que vous allez faire. On sait en peine de vous les faire? La recette dit qu'il faut ça, ça, ça. 104 quarts, ce n'est pas même recette-là. Yeah. Dis-moi ça, on l'est fait. Je dis où, si on est d'accord ou pas. Et si ça, on l'est fait, nécessité de nouvelles compétences, on verra à ce moment-là. La deuxième question, c'est qui va les exercer? Puisque, okay, à l'évidence, on a ce problème-là aussi. Yeah. Alors, tu peux parler de M. Darmanin. Bien évidemment, oui. C'est l'appel de Chelcheg, il faut dire, c'est plus l'appel de Fort-de-France, je crois. Mais tous les appels, finalement, sont de Chelcheg, puisque Madjana, jusqu'à nouvel ordre, c'est Chelcheg. Et encore une fois, je taquine un peu mes camarades, cette façon de concevoir le foyalocentrisme, tu sais, hein, on veut tout ramener au centre. Ça, c'est du jacobinisme. C'est une façon déjà conceptuellement de poser mal le problème. Hein. On est plutôt pour une approche un polycentrique, ni plusieurs centres, ni Jean Sainte-Marie, ni Jean Chalichet, ni Jean au Sud. Donc, il faut que nous apaisions, y compris dans la façon de poser les actes politiques. Non, bon, dans mon avis, mais vous savez, dans mon avis, ce n'est pas Bougouin, hein, c'est pas vraiment ma tasse de thé, sur ça, y compris dans sa pratique politique. Mais, en la question évolution institutionnelle, y compris en le débat épicorse là, moi, je m'en trouvé un bout qui est très simple. Hein. Ikadou, la porte est ouverte à toutes les discussions. Il mettait trois jalons, hein. Résidentialité, la langue, le peuple. Mais Kadou, pas de problème. Nous avons discuté, c'est le bain nous, Kadou, qui est une anti-consultation. D'accord. Et Ikadou, surtout, processus-là, il faut qu'il justifie par un projet politique. Bon,
Donc, il est très cohérent. Et ça nous renvoie, et ça renvoie à, sans doute, la fragilité, et ça me permet de saluer les camarades, à la fois ceux qui ont suivi sur place, mais là, en vidéo, notre conférence, qui se voulait positive dans la façon de poser les choses. Autonomie, évolution institutionnelle, un projet politique qui questionne. L'opposant question, ça ne veut pas dire qu'on compte, mais ça veut dire besoin d'éclairage. Le timing nous semble particulier. Cette collectivité est jeune, le débat sur la question institutionnelle a totalement été absent. Beaucoup de Martiniques ne comprennent pas pourquoi cette question vient. Et puis deuxièmement, la méthode et le contexte. Je trouve que finalement, les élus sont peu associés, sont peu emportés dans cette démarche, contrairement aux démarches précédentes de la loi d'orientation. Et s'il n'y a pas une vraie convergence des élus et du peuple martiniquais sur cela, je crois que cette démarche va être mort-née et ça va faire régresser l'idée de la responsabilité. Et puis la question du contexte, l'ANOUC a démontré au quotidien, dans des domaines majeurs tels que l'eau, le transport, etc., etc., là où nous avons les moyens de parer ici, nous pas qu'à crédibiliser l'hypothèse que demain matin, Martiniquais, fait-nous plus confiance. Alors, peut-être qu'il faut que nous plus concentrer qu'en nous, en l'existant, pour nous préparer l'avenir, sinon ne pas compromettre l'avenir de la Martinique. Béatrice. Oui, moi, je sais qu'il y a beaucoup de personnes au pouvoir qui n'aiment pas qu'on dise ça, qu'il faut être performant sur ce qu'on a déjà, sur les pouvoirs qu'on a déjà. Mais ce n'est pas une critique personnelle. C'est vraiment un regard que l'on doit avoir sur nous-mêmes, mais surtout hein, sur mais notre fonctionnement en général. Darmanin, oui, oui. Non, mais Darmanin est venu en nous disant ça. Ah, parce qu'en fait, juste avant nous, il a été voir les Corses. Et vous avez vu ce qui va se passer. La réforme constitutionnelle et normative de la Corse arrive à grands pas. Ils se sont serrés la main. Alors, les indépendantistes ne sont pas très d'accord, mais les autonomistes disent on est en train d'écrire le nouvel article de loi et ça nous va bien parce qu'on va continuer à bosser dessus. Mais avec quoi ils sont venus, les Corses ? Ils sont venus avec un projet. Ils ont dit, voilà, nous, on vous le dit, on a des difficultés pour développer l'économie. Donc, on veut une réglementation particulière sur l'implantation d'un certain nombre de structures. On veut pouvoir faire en sorte que les jeunes Corses puissent acheter chez eux. Donc, on veut un statut de résident. Ah, c'est pas possible. Est-ce que le statut de résidence Corse, c'est possible ? Oui, ça peut être discuté. On veut pouvoir avoir une fiscalité propre, un peu comme l'octroi de mer. Attention, hein, les Corses sont en train de demander de l'octroi de mer, hein, une fiscalité qui leur permette de faire ce qu'ils veulent et d'agir de façon sectorielle. Oui, ça sera possible. OK ? Et à la grande surprise de tout le monde, ils ont dit, voilà, nous, voilà les points sur lesquels on va agir, et pour ça, du coup, il nous faut un pouvoir normatif. On leur dit, oui, ça peut être envisageable. Ce que la Polynésie demande depuis 40 ans, Yojaka dit les Corses, parce que les gars sont arrivés, soudés comme c'est pas permis, tout le monde parle le même langage, et ils ont un projet et une vision pour leur territoire. Si nous, nous pas qu'à fait ça, et puis ils ont 212 millions de continuité territoriale. Je dis ça, je dis rien. Bon. Alors si nous n'arrivons pas à nous convaincre déjà, entre nous, les personnes qui sont déjà un peu dans la politique et tout ça, si on n'arrive pas à être convaincus, comment vous voulez que les citoyens soient convaincus ? Comment vous voulez que si on ne les associe pas au projet martiniquais ? Et moi j'ai dit, je demande aux élus au pouvoir, mais redites quelle est aujourd'hui votre ambition, c'est quoi votre rêve, la Martinique rêvée qui est la vôtre ? Ça fait bon, parfois 20-30 ans que vous êtes au pouvoir, on ne va pas me dire que le rêve n'a pas pris forme. Dites-nous, faites-nous rêver, donnez-nous envie. Et c'est en ayant envie, un moment, ça a donné envie aux gens. Quand on a parlé de rassembler le conseil général et le conseil régional, qu'il va avoir une seule institution, que les gens n'auront pas à courir à droite, à gauche, qu'ils ne vont pas se renvoyer la balle, ça a donné envie aux gens. Mais ça les a déçus. Voilà. Et donc, il faut donner des gages de ce que nous saurons nous engager sur des voies avec un projet qui va améliorer la vie des Martiniquaises et des Martiniquais. Mais en parlant de ça, c'est juste un mot. Plutôt que de rêver sa vie, vivons nos rêves. C'est ça le vrai sujet. Vivons nos Camille rêves. Camille Dancey disait dans cette histoire de regrouper les deux assemblées, là, les deux. Il disait, mais pourquoi on ne pouvait pas garder les conseillers généraux comme ça, chaque partie du territoire serait représentée. Et ça a été peut-être, me semble-t-il. C'était une proposition qu'Édouard de Lépine faisait en 2003. Mais on l'a traité de toutes sortes de noms d'oiseaux. Il avait raison. Parce qu'on a le culte de la personne. Parce qu'en fait, ça... Mais pourquoi ? Pour une raison forcée. Oui. C'est que sur une liste proportionnelle, celui qui est élu n'a de compte à rendre qu'à une seule personne. Tout à fait. La tête de liste.
Ouais. Il ne peut pas dire qu'on n'a rien à personne. Ouais. Par contre, un maire, il a apporté de calotte. Tu comprends ce que enfin, mais au-delà de il ça, il va défendre sa commune, ça dépend de son territoire. Non, non, il a apporté de calotte parce qu'il a une relation avec les électeurs. Et puis, il a surtout une légitimité électorale. Ni quand même quatre listes, ni quand même quatre sections. Donc, ni quatre chefs de section identifiés. Faut pas on dit tout de même là-bas. Bon. Alors, les gens ne s'en rappellent même pas des listes. Alors, c'est ça. Non, mais ça, la question des sections, tu sais, Fred, à l'époque, je m'en étais un peu accommodé pour être pour justement ce scrutin à la proportionnelle. J'y reviens parce que je crois qu'au-delà même des élus, ça pose le problème de la légitimité électorale et la liberté réelle du président de l'Assemblée. Et ça crée, mais dans les faits, alors ce n'est pas qu'une question de personnalité. Marie-Jeanne traitait liste de passeurs de parole. Et ça a été. Et dans les mêmes listes là. Il y a un conflit à Guinée. Oui, mais traité de passeurs de parole. Oui, c'est ça. Donc il y a un conflit en la même liste là. Donc tout le monde, c'est pas des. Non, mais c'est dans l'usage. C'est ça. Ça crée une difficulté. Les listes ont pris un conflit et puis Marie-Jeanne. Non, mais c'est au cas d'hier. Je t'écoutais. Moi, de scruter un peu qui règle, c'est-à-dire que pour moi, c'est un faux problème encore. Mais il s'agit pas de. Nouveau problème économique là, dit vieux mettez mode de scrutin. Or, moi, mon candidat à l'Assemblée, et puis Claude Lise, président de l'Assemblée, et puis Marie-Jeanne, compositeur du Conseil exécutif, ils ont passé en bon parti temps en désaccord. Donc, il ne faut pas dire moins que la proportionnelle n'a pas qu'à permettre les désaccords exprimés. Moi, je voulais terminer. Et je pense que ce qui est important, y compris quand on est dans une Assemblée, il peut avoir son avis, l'exprimer avec les mots qu'il veut. Je reste persuadé qu'il est important que l'élu ait une légitimité électorale. Qu'on le veuille ou non, on a des sections. Je prends la section Nord que je connais bien. 17 communes. D'accord ? Est-ce que tu crois que les gens qui sont là, présents sur la liste, sont les gens les plus lisibles et visibles de ces 17 communes ? Dans les faits, non. C'est ça la réalité. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il aurait fallu avoir 17 conseillers généraux, un pour Fonds-Saint-Denis, un pour le Morne-Vert, mais je trouve que ce mode de scrutin, il a tendance à lisser une réalité et un besoin, parce qu'à un moment donné, le politique, il faut qu'il soit représentatif du terrain et du territoire et de ses électeurs, et que n'importe qui monde, parce qu'il s'est en camarade de parti de un tel, il a atterri en leur liste, il s'est en représentant de communes, et personne ne connaît l'ADN. Donc c'est en réalité, et là on dit ça ou pas, il faut que nous trouvions des solutions. Enfin, c'était un. Et moi, je pense qu'en fait, la solution est l'intermédiaire, ce n'est pas uniquement le scrutin nominal, parce qu'on se retrouve avec une assemblée qui n'a peut-être pas de cohérence politique, c'est sans doute mixer une partie de proportionnelle pour de la cohérence, mais mixer aussi un peu de scrutin uninominal pour faire en sorte que cette Assemblée puisse jouir à la fois des avantages de l'un et tempérer les inconvénients de l'autre. Bien, ben je vous remercie beaucoup. Merci Manu. Merci à toi. Juste, est-ce que tu me permets, mais ça c'est un message douloureux, mais ô combien important pour moi. Je voulais rendre hommage à une grande dame qui a lutté contre le crabe, mais qui a été vaincue malheureusement, qui s'appelle Madame Francette Salomon, une collègue, amie, en tout cas quelqu'un avec qui je parlais beaucoup, et dont le décès il y a quelques jours m'a beaucoup touchée. Donc au nom de tous ceux qui l'aiment, je lui souhaite un bon voyage et je lui dis que la terre lui soit légère et que l'accueil du ciel lui soit radieux. Merci beaucoup. Merci Fred, merci Karl, merci Dany, merci. Merci Manu. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Grégory et à Manuela qui essaient désespérément de me faire comprendre qu'il fallait arrêter, mais c'était difficile de vous arrêter. À bientôt sur Zouk Télévision. Je crois que la semaine prochaine, c'est Charles Chamas que vous aurez. À bientôt. À bientôt, Maïla. Bye.